jaune. Merci, la reine Carole. Ok, bon, voilà une nouvelle journée qui a commencé. Je ne vais pas parler en mode fâché, fâché, comme si je me grondais. Bonjour, bonjour, soyez bénis aussi. Aimez la lumière divine entre vous et moi. Quelque chose qui me fait beaucoup de mal, qui m'attriste en quelque sorte. Il y a beaucoup de choisis. Vous croyez toujours que mes vidéos sont faites pour animer la galerie. Pas compter le nombre de personnes qui m'écoutent, vous regardez mes vidéos, mais vous ne vous lavez pas au sel. Vous regardez mes vidéos, vous n'avez jamais acheté un encens pour mettre dans votre maison. Le jour où vous tombez sur mes vidéos, vous pensez que je suis une folle. Il n'a rien à faire dans sa vie. Elle passe son temps sur Facebook à bavarder dans vos oreilles. Vous devez vous réveiller de votre sommeil spirituel. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Bonjour la reine Meïta. Ça m'a fait de la peine de voir quelqu'un qui souffre. Mais qui s'est dit que sa solution doit venir d'une autre planète? J'ai consulté une jeune dame hier. Faut avouer que dans la vie, ce sont les conseils qui vous ont gâté. Le manque de conseils ou la présence de mauvais conseils. Elle a 32 ans. Ça fait 5 ans qu'elle sort avec un homme qui est en France.
Le monsieur se décide, ça fait quelques mois. Il commence les papiers de la fille. Et sur le chemin pour arriver en France, elle devait passer par une des colonies françaises. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, qu'est-ce qu'on s'est dit que c'est parce que parfois, chaque personne qui me regarde irait sa caméra ici. Ta vie est bloquée, c'est ta faute. C'est un privilège pour vous de tomber sur mes vidéos. Hein. Parce que vous fonctionnez comme des idiots et des idiotes. Les mêmes gens qui gâtent votre mariage viennent chaque jour chez vous. Toi, tu portes ton téléphone. Oui, tata. J'ai tata. C'est tata qui te gâte. C'est tata qui te gâte. Quand on commence la consultation, oh ma vie, je ne sais pas. Je vois, elle est bloquée dans la colonie française. Supposons, je vais dire, bon, supposons elle est bloquée en Guadeloupe. S'il vous plaît, faites attention aux scammers. Ils ne vont jamais vous envoyer un message inbox que bonjour. Si c'est moi, hein, demandez-moi un appel vidéo. Je vais devoir le truc avant de me rappeler de ça. Il y a des scammers qui prennent ma photo, ils mettent sur des profils et ils vont venir vous demander des choses avec mon nom. Ce n'est pas moi. Si on vous scamme, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce qu'on parle, vous n'écoutez pas. Il y a des gens qui m'écrivent souvent sur ma ligne personnelle. Ils me demandent, confirme-moi que c'est toi. Je dis que c'est bien que tu es sage. Là, je fais le voice, je gronde bien la personne d'abord. Que tu crois que c'était qui? Elle dit non, parce qu'il y a les scammers. Je dis c'est bien que tu es prudent avec ton argent. Arrêtez de devenir. Arrêtez d'être toujours bête. Elle quitte le Cameroun. Elle arrive en Guadeloupe. Dans le contrat, elle devait quitter de Guadeloupe pour avancer en France. Nesline, ce n'est pas possible. Je suis toujours en consultation dans la journée. On vous appelle, vous ne décrochez pas. Continuez d'appeler nos mamans. Envoie le message, tu dis que je veux la consultation. Parfois, quand tu es comme ça, c'est comme ça, quand tu te laves pas avec le sel. Je dis, lavez-vous avec le sel. Quand tu te laves avec le sel, ton énergie est mauvaise. Tu vas appeler quand le corps n'est pas à côté du téléphone, je te dis. Par contre, il y a des gens ici là que chaque fois qu'ils appellent, même si ça peut le téléphone à la secrétaire, c'est quand c'est dans ma main que le téléphone va sonner. Directement, de quoi je leur parle. L'énergie. Il y en a parmi vous qu'on vous a bloqué jusqu'à. Si vous êtes le genre que vous aimez les bonnes aventures, que le camion va venir te dire, oh, ça va aller. Oh, on te dit les bonnes choses. Ma chérie, porte ton âme, tu vas le donner. Tu as compris, non? Voilà. Non, je vais te consulter, je te fais, t'as pas de consultant. Quand il y a les promotions, je dis de ma bouche sur ma page. Donc si vous voyez les scammers, ils vous donnent les choses, tant mieux pour vous. Parce qu'il y a les femmes, on vous a maudit qu'avec les mauvais trucs. Tu vas tomber sur les gars, les Nigérians, les 419, on va te bien te faire ça. Donc je parlais de la jeune fille qui est arrivée en Guadeloupe. Quand on commence la consultation, elle me dit que ça fait 3 mois qu'elle est bloquée là-bas. Elle était censée arriver là-bas, faire 2 semaines continuelles. Là, voilà qui est bloqué en Guadeloupe. Ok. La procédure à quel niveau? Maman, ça fait 1 semaine que j'appelle même la femme qui a commencé ma procédure. Elle n'est pas joignable. Je dis, Après, comment elle me dit, peut-être que c'est même mon gars, c'est là, vraiment. Peut-être que je n'ai même pas dû l'écouter. On m'avait bien dit, je suis venu caler ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a fait les papiers de la fille. Elle n'a dit à personne. Le jour où elle était à l'aéroport, bête-ton, simple-ton, idiotiton là, elle prend le téléphone, elle appelle ses tantes. Je voyage. Et vous n'avez même pas dit. Hein?
Pardon, devinez ce que ces tantes ont fait. Devinez, devinez. Je crois que vous connaissez. Devinez, s'il vous plaît. Sa soeur, sa mère de 5 ans, combien d'années? Est babysitter quelque part en Europe. Ses deux soeurs sont au village, une au village, l'autre ou là-haut. Personne dans sa famille ne fait rien. Personne. On m'avait dit de ne pas écouter l'homme aussi. Peut-être c'est même lui qui m'a bloqué. J'ai dit, mais tu es bête. Tu es folle. J'ai dit à mes tantes parce que je ne voulais pas que. Je vais faire les quiz avec vous. C'est bien quand vous répondez bien les quiz. Qu'elles l'ont attaché, c'est bien. Bonne réponse. Blocage plus, c'est bien ça. Vous commencez à devenir sage. Bonne réponse, Nadège. Au Cameroun, vous contactez le 00237. Bon, vous n'avez pas besoin du 00237. 680-71-0701. 680-71-0701. On a vissé la vie. Je lui ai dit que tu ne trouves pas que la seule personne qui veut me manquer ton bien sur cette terre et qui peut t'aider, c'est ton gars qui est en France. Hein? Que ma mère m'a dit qu'il n'aurait même pas dû écouter mon gars là. Voilà, quand il est parti, on m'avait dit que. En 2 ans aussi bête. 32 ans aussi bête. Imagine, tu appelles ta tante, tu as les repos. Hey, Christelle, tu as les repos. Tu pars, c'est pour où, non, ma chérie? Oh, ma fille, j'ai toujours su que tu allais voyager. Oh, mon bébé. Oui. Regardez-moi la fille là. Elle ne me dit pas qu'elle voyage. Ah oui, mon bébé Christelle. Hein? Ah d'accord, tu pars d'abord en Guadeloupe. Ah d'accord. De là-bas, tu prends le visa de transit. Okay. Tu as jamais mis un visa temporaire. Ah ok. Tu pars à Paris dans combien de temps? Ok. Dans 10 jours, hein? Oh, que le Seigneur t'accompagne. Que Dieu parte avec toi. Oh, ma fille, non, ne t'inquiète pas. Tu sais que quand tu venais en vacances ici chez moi, tu ne travailles plus que mes enfants, non? J'ai toujours su que tu allais presser. Il ne faut pas voir ta cousine sans une idiote là. D'accord, d'accord, mon bébé. Tu arrives, tu me fais signe, hein? D'accord, d'accord. Oui. Ah ouais. Ah, Christelle, non? On va décortiquer ton nom. J'avais déjà dit à sa mère. Oui. Que s'il y a un truc que Christelle veut faire, il faut qu'elle me dise. S'il y a quelque chose que Christelle veut faire, elle doit me dire. Hein? J'ai des relations à l'aéroport. Oui. Oui, 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 Aladji. Oui. Je viens te voir demain, là. Oui, j'ai une situation, là. Oui, oui, oui. Ok. D'accord. À demain, je viens à 6 heures. Sandrine demande que maman, tu parles avec qui? Non, 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 je dois aller voir un truc pour ton père, là. Là, voilà, c'est Aladji demain. Je suis venu pour te voir pour une situation. Tu imagines ma propre nièce. Je l'ai élevée chez moi pendant 5 ans. Hein? Elle est le probateur dans ma maison. Hum.
peine, elle me dit qu'elle est, elle est en train de partir en Guadeloupe. Quand tu avais travaillé, quand elle était là-bas, elle m'a dit, c'est là. Tu n'avais pas, tu m'avais dit que j'avais vissé, non? Oui, mais tu connais ma fille. Souvent, tu fais, et puis il y a certains enfants que ça passe un peu. Ils baissent un peu comme ça, là, tu sais? Donc, je veux que tu le visses encore. Visse. Elle veut même me montrer quoi? Elle me manque de respect. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Visse encore l'enfant, là. Oui. Ça va faire combien? D'accord. 200 000. D'accord. Ok, tu vas tuer le mouton. Oh. D'accord. Ne t'inquiète pas, dès que j'arrive, j'ai une réunion que je porte demain soir là. Je t'envoie l'argent du bouc là. Ok? Oui. Ah, d'accord. Il faut ajouter. Ok. 250 000 total. Pas de souci. Voilà une avance de 50 000. D'accord. Je rentre avec ça là. Ok. À minuit. Voilà. Oui, j'ai ces photos. Ne te dérange pas, j'ai ces photos. Ok. D'accord, j'ai compris. Vous savez quoi? Je vais commencer à faire des vidéos. Ça, c'est une bonne. Je vais commencer à faire des vidéos des gens qui partent chez les marabouts. Je vais faire. Quand ils font ça, vous faites souvent les directs, non? Je vais vous faire les vidéos des gens, de ce qu'ils viennent dire quand ils partent chez les marabouts. Vous allez voir ce qu'on demande sur vous. Si la fille appelait pour dire qu'il faut l'argent pour qu'on paye le billet d'avion, elle allait dire qu'elle n'a même pas 5 francs. Elle va bouffer sa réunion qu'elle cotise depuis 6 mois pour venir bloquer l'enfant. Là, voilà la nuit à minuit. Elle dit qu'il n'y a personne dehors. Ok. Il a dit qu'elle te met ses mains des quatre coins de la terre. Non. Christelle, quand tu parles, tu vas faire 5 ans en route. Christelle, je déclare que l'homme qui t'a amené là, il va être dégoûté de toi. Écoutez, je crois que j'ai trouvé les films que je vais commencer à faire. J'ai besoin d'acteurs et d'actrices. Christelle, tu ne vas jamais porter un enfant. Je mets les miomes dans ton corps. Du matin. Jacqueline, je n'arrive pas à joindre Christelle. Elle est bien arrivée. Ça fait quand même 3 jours, tu vois, j'ai pas de nouvelles. Ah, grande soeur, elle m'a appelé hier, elle me dit que voilà, elle est arrivée là-bas à l'aéroport, on l'a bloqué. On a dit que voilà, que le visa n'était pas bon. Et il faut qu'elle fasse le recours d'abord au Guadeloupe. Il faut qu'elle attende quelques jours d'abord. Ah. Ouais. Oh, ma soeur. Ça va aller. Je sais comment tu as souffert sur les enfants, là. Oh. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Tu as compris? Je vous garde en prière. Je vous garde en prière. Ok? Je vous garde en prière. Aladi, ah, là, ça commence à marcher. Hein? Il t'avait dit non, tu es bon. Je sais. Il t'a fait le dépôt là, tu as vu? D'accord. Tu finalises ce travail là quand? Parce que là encore, on est en attendre. La police va lui donner la réponse dans 2 jours là. Oui, d'accord, c'est bon. Merci. Achète-moi une musique en route là. Mais maman, pourquoi tu es contente comme ça? Oh, maman, va chercher la musique là-bas. Marie Geneviève, tu as mis le lien de quoi? Dis-moi d'abord avant que je te bloque, pardon. C'est le lien de quoi que tu as mis? Oui, donne la bière à Majaki là-bas. Majaki, bois un peu là.
Aquila, ça va. Je n'ai même pas une bouteille, c'est là. Oui, la tomate, c'est oui, c'est 500 le tas. Asso, c'est une vendeuse de tomates. Elle sort 250 000 pour aller bloquer sa nièce. Elle vend les tomates. Écoutez, aujourd'hui là, je dois faire un sketch. Je ne vais pas vous mentir. Je vais enregistrer le sketch, je vais mettre ça en ligne. Oh Seigneur. Vous blaguez avec les gens, vous blaguez avec les gens. Aïe. Oh, yeah. Blaguez, vous croyez que... Voilà le numéro. Il n'y a que moi qui mets mes numéros dans mes directs. Donc, si tu parles, tu parles. Le numéro de quelqu'un d'autre, c'est ton problème. Je vous dis que j'ai l'inspiration. Aujourd'hui, là, je vais faire un sketch. Je vous assure. Je vais faire l'histoire de la mère de Sandrine, maman Justine qui bloque Christelle, qui est l'enfant de ma Jacqueline. Oui. Mm-hmm. Je vois ici la sorcière6a.com. Marie-Geneviève, c'est quel lien que tu mets comme ça? Je ne veux pas les faux liens ici là. Regarde comment tu as écrit. Réunion familiale. On veut doter Sandrine. Attendez, je vais écrire l'autre cela. J'ai besoin des acteurs, je ne suis pas très blagué. On est venu pour doter Sandrine. Bam, bam, bam. La mère de Sandrine est déjà morte. C'est sa tante qui l'a élevée. Les enfants de la tante sont encore vivantes. Elles ne sont pas mariées. Les voilà. Comme Sandrine, c'est une fille tellement gentille. Elle va à Santa Lucia. Un jour, un benguiste arrive. Il est bloqué, il ne connaît pas les produits. Et c'est comme ça qu'elle aide dans une dans un des couloirs. Oui, monsieur, voilà les infos. Nido avait seulement pris Sandrine pour qu'elle vende chez à Santa Lucia seulement pour les vacances. Voilà Sandrine. Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Oui, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je cherche le produit, mais regardez, c'est ça ou c'est ça? Non, monsieur, ce n'est pas ça. Vous devez monter comme ça, là-bas. Vous voyez, mon smith au troisième étage. Allez. Non, mais bon, allez, montrez-moi. Mais comment vous devez faire comme ça? Je ne comprends pas. D'accord, monsieur, suivez-moi. Monsieur, vous voulez lequel? C'est qui en haut, là-bas, ou bien l'autre aussi? D'accord, monsieur, attendez. Je vais demander à mon manager. J'arrive, monsieur. Ok, attendez, monsieur, j'arrive. Et mais voilà, je ne comprends pas. Tata, tu veux quel? C'est lequel que tu veux, tata? Je ne comprends pas. Ah, d'accord, elle est revenue. Attends, bon, tata, je te rappelle. Bon, monsieur, on a dit que j'ai même négocié, monsieur. Mon manager a dit qu'il peut vous faire la réduction de 10%. Vous voyez, comme l'autre aussi, le carton est un peu déchiré. D'accord. Mais allez, dis-moi, je peux avoir ton numéro? Bon, monsieur, on ne doit pas donner nos numéros ici, là, bon, monsieur, moi, je finis le travail à 22h. Ben, d'accord, je vais revenir te chercher, hein, tu sais, je vais revenir, ok? Sandrine continue son boulot. Fin de service. Sandrine travaille là-bas avec sa cousine. Hein. Marche vite, Sandrine! Je vais dire à maman que c'est toi qui as dit cela. Sandrine sort, elle voit le monsieur. Allez, viens, viens, je te dis que j'allais t'attendre, tu vois, tu es vraiment très gentil, tu sais. Je suis venue pour le mariage de mon frère et franchement, je voudrais t'inviter au mariage. Monsieur, je dois d'abord demander à ma tante.
Tata, tu vois, j'ai un monsieur là qui m'a invité. Encore des faux dragueurs là. Le gars du quartier là, qui peut même s'intéresser à toi? On vient déposer samedi à 3 h. Et voilà la voiture. Il doit venir me voir. Ton copain là, il doit le voir demain. Ah, le gars qui arrive. Sandrine, va m'acheter la bière qu'on vend loin là-bas à 300 km là. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous intéresse sur Sandrine? Non, mais franchement, le tata, je l'ai vu, elle était très gentille. Vraiment, je ne sais. C'est votre fille. Non, non, ce n'est pas ma fille. C'est la bonne. C'est la bonne. Oui. Christelle, viens. Que Christelle a porté une bonne mini-jupe là. Christelle arrive. Tu sais, voilà ma fille, hein. Voilà ma fille. Elle est partie dans l'une des grandes écoles de Douala. Oui. Le gars persiste. Il dit qu'il veut doter Sandrine. Le jour de la dot. Déjà que la tante n'a prévenu personne qu'on devait doter Sandrine. Attendez, pas caché. On arrive, on dit, voilà les produits de la dot qu'on a apportés. La tante dit, ce n'est pas assez. Quand ma soeur mourait, elle avait dit qu'on devait doter sa fille au montant de 53 millions de francs CFA. Si ça n'atteint pas 53 millions, on ne vous donne pas Sandrine. Tous les oncles sont dépassés. Mais tata, tata, ils ont donné tout ce que la grand-mère, avant de mourir, elle avait donné sur la liste. Tata, laisse aussi, non? Je vous dis que non, c'est moi qui ai élevé l'enfant si quand sa mère est morte. C'est moi. J'ai dit que non. Comme par chance, un des cousins avait prévenu le chef de famille, même le successeur du grand-père. Voilà, le successeur arrive. Il était de passage au pays, comme il vit en Espagne. Il était de passage au pays. Il a atterri à l'événement. Il dit jamais. En tant que chef de la famille, j'accepte tout les pagnes. Vous avez apporté les pagnes. Oui, c'est ça qu'il y a dans notre tradition. Il y a ça. Déjà, vous êtes jeune, vous vous débrouillez. Comment on peut vous demander 53 millions? Je dis, je vous donne la main de ma fille. Partez avec. Voilà, tata là-bas. Vous allez voir la malédiction qui va venir. Et ces tantes vont gâter vos dodos. Et ces tantes vont venir. Qu'est-ce qu'elles ne vont pas vous sortir comme face? Mais chérie, tu sais, ta tante là, elle m'a grave vénère, tu sais. Moi, franchement, je dois te louer un appart. Je ne dois pas rester chez elle, là, chérie. Moi, je ne veux pas. Il parle de l'appartement de 200 000 le mois. La tante vit dans une maison de 75 000 le mois. Voilà la tante le jour où Sandrine déménage. C'est pas, vous croyez que c'est arrivé? Mais voilà, tata, regarde. Voilà le cadeau qu'il a apporté pour toi. Tata, prends-le le cadeau. Non, moi, je ne veux pas. Hein? Vous venez de dépasser mon autorité. Je suis comme ta mère, hein? Je suis comme ta mère. Voilà toujours les mots qu'elles vont venir vous dire. Je suis comme ta mère dans la famille ici. Voilà le juif, il vient te porter avec sa grosse voiture. Tata est là. Tata vient nous dire au revoir. Tata, on est venu te dire au revoir. Vous savez, moi, ça me fait rire. Parce que dans ce que je vous raconte, il y a ma part d'histoire dedans. Ne vous parle pas des phases où dès que tu dis que tu as un copain.
Vous sortez ensemble pendant 6 mois. Hein. Le jour où on sait que tu as un gars, en 3 semaines, vous allez vous séparer. Malène, ne rit pas. Les gens là vont toujours vous dire, je suis comme ta mère, je suis comme ton père. Ah, écoutez, hein, moi je vous dis, si ton père est amour, sache que tu n'as plus de père. Il y en a même parmi vous que vos pères sont vivants. Mais vous devez considérer que vous n'avez pas de père. Mes yeux me plaisent trop, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, j'aime regarder mes yeux. C'est comme les yeux de Abricotil dans le dessin animé. Clémentine, quand tu fermes les yeux. La reine Rolande, j'allais t'appeler, mon téléphone est éteint. Mon téléphone, c'est le salut pour le matin. Je voulais t'appeler depuis que ça va, tu es bien arrivé. Il y a toujours quelqu'un dans ta famille qui va venir pour clamer la place de ta mère. Voilà, pour 40 tasses. Yes. Tu sais, je connaissais les derniers désirs de ta mère. You know nothing about my mother. So stop it, man. Et même si ma mère était vivante, peut-être qu'il y a les choses que qu'elle allait me dire que pas à gauche, j'allais partir moi qu'à droite. Donc leave me alone. Je lance moi le deux. Je vais lancer les sketchs. Je me lance dans les films. Les films. Je comprends maintenant pourquoi les Nigérians, les films des Nigérians là passaient tout le marché. Parce que les. Et quand les gens montent le tour dans le film, vous dites que oh, c'est les mensonges. Hein? C'est quand je t'écoute l'histoire des gens, tu vois que le combat, c'est le film Niger. Non. Le jour de la dot, on va venir. Tu wonder seulement qu'ils viennent faire l'émeute à ta dot, mon frère. Vous venez faire l'émeute à mon mariage? Vous venez avec vos gangs pour faire l'émeute à mon mariage? Non, mais vous avez menti. La reine Roland, elle va te chercher aujourd'hui. On va faire le premier sketch aujourd'hui. Mais vous avez menti. Je vous mets à la banque. La banque, on passe dans ma groupe pour chercher ce qu'il y a dans le coffre fort. Je vous mets à la poubelle, parce que la poubelle, là, c'est parti. Il y a des gens dans votre vie que vous devez... Ma grand-mère disait toujours comme mon bec, quoi, non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ma grand-mère disait toujours que mon bec, quoi, non. Que je vais fendre mon pied sur toi. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, la mère? Tu lui demandes, elle traduit. Ma grand-mère avait les. Elle peut t'insulter en patois. Après, elle traduit. Elle watise pour te traduire ce qu'elle a dit. Après, elle dit, méfie-toi de moi. J'ai dit, hein, grand-mère. Elle dit, méfie-toi de moi. Père ton âme dans ma photo. Quand la grand-mère a été jetée au char, elle ne passait plus cultiver la parcelle là. Elle ne passait plus. Le char a devenu la poubelle. Elle partait seulement jeter les choses là-bas. Si vous saviez qui est la source de vos problèmes. J'ai vu trop les trucs méchants. J'ai vu trop de méchants. Et le truc, c'est que. Moi, mes décès, tu connais. Il y a toujours eu un truc en moi qui a fait que je ne les aimais pas. J'étais un peu mal à l'aise, tu vois. Ça faisait un jasme beaucoup. Appelle-la, c'est ta mère, appelle-la. Tu prends le téléphone c'était... Batterie low. Le jour où tu pouvais partir, la voiture se gâte à route.
Et ces gens ont tellement bien manipulé vos parents que quand tu viens dire ta chose très importante à tes parents, à un de tes parents, non, tu dois aller dire à mon frère, c'est mon oncle, c'est lui qui m'a élevé. Maman, ta vie, regarde ta vie, maman. Deux hommes sont venus te doter, ils sont morts. Deux hommes sont venus pour te toucher, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Tu étais chez ton oncle. Tu veux vraiment que moi aussi, pas me mettre sous ton oncle là? Et pas informer ton oncle de mes choses? Hein? Tu veux que je ne pas informer ton oncle qui t'a bloqué? Ou qui t'a laissé être bloqué? Je ne sais pas lequel des deux. D'accord, Reine Roland. Tu veux lequel des deux? Il t'a bloqué ou t'a laissé te faire bloquer? Tu veux que... Donc voilà, maman, tu braises le poisson chaque soir. Tu fais ton petit traiteur comme ça, là, un peu comme ça, là. 45 ans. Tu veux qu'il vienne avec mes 25 ans, là, je porte mes pieds, pas dire mes choses à ton oncle. Maman, tu as dit à ton oncle, ça t'a amené où? Hein? Maman, vous connaissez vos mamticones là, non? Vos mamanticones là. Patience. Pour vivre heureux. Pour vivre heureux. Finissez la phrase. Certains vous pensez que, oh, comme je me suis mariée là, hey! Quoi? J'ai reçu une fille l'autre jour, elle me dit qu'elle a eu deux fiancés. Les deux sont morts le jour où elle devait venir la doter. Maman, elle voit le témoignage de l'autre cela. La DG. Le truc, c'est que vos pères et vos mères parfois étaient simples, mais leurs frères. Tu vois, quand tu grandis avec ton frère, non? À un moment, ta vie, tu avances, tu pars de l'autre côté, ton frère part de son côté. Moi, je ne peux pas mettre ma main au feu pour quelqu'un. Je ne peux pas m'envoyer au candidat de quelqu'un. Déjà que j'ai même les membres de ma famille qui ont même peur de moi. Tu dis à quelqu'un que viens dormir chez moi. Ah, oh, hein? Ok, comme je ne suis pas là, non. Voilà, voilà. Il y a l'aménager à tout. Il y a toi à la maison. Pas. On va s'occuper de toi. Tu te rends compte qu'on fait comme ça là. Comme ça. Donc tu crois qu'il y a quelque chose chez moi? Donc tu penses que... Soyez wise. Si ce n'est wise. On écrit wise, non? W-I-S-E. Soyez wise. Certains d'entre eux partent même en croyant que vous allez vous dans la sorcellerie pour les prendre. Laissez ma maison, ça reste là-bas, même 2 mois. Le jour où j'arrive, j'entre, je dors sur mon lit. Oui. Laissez ma voiture dans mon garage. Tu ne peux pas boire le caddie de ton frère ou de ta soeur. Tu ne peux pas. Écoutez, j'ai compris un truc dans la vie. Le mauvais cœur ne peut pas faire que l'argent entre dans ta vie. Même si ça entre, c'est temporaire. Quand vous partez d'une famille, vous voyez les gens qui sont les plus méchants là. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. C'est la noirceur de leur cœur.
Un degré d'argent là, ça va parler que ça fait ça fait Toi là, Dieu connaît la pureté de ton cœur. Quand ta part va commencer, ils vont aller dire les dalles, ils vont dire ça n'importe comment, tu t'en fous. Oh, où elle est entrée, où maintenant, on laissait, je suis entrée, je vais sortir, il va encore entrer. Oui, t'as non. Laissez. Quand on dit que tante, ta tante c'est la soeur de ta mère. Ça veut dire qu'elle a grandi avec ta mère. Ça veut dire que c'est le même sang. Si cette personne a pu faire ça à sa soeur, pourquoi tu crois que toi tu es qui pour que ton frère ne te fasse pas? Et quand ces gens-là vous aveuglent, vous ne voyez pas leurs gestes. Vous ne connaissez pas lire les actes des gens, vous lisez leurs paroles. La personne s'était venue pour gâter mon mariage. Ils sont venus au village pour gâter la dot. Après, ils sont venus à l'état civil pour gâter. Comment ça se fait qu'elle me dit qu'elle m'aime tant? Hein? Hein? Something de wahala me. Something de wahala me. Yeah. Certains connaissent les traditions que vous devez faire. Ils ne vous disent pas. Par espoir que comme tu ne vas pas faire, que tes choses n'avancent pas. Je vous dis. Combien d'entre vous, vous avez su les trucs à faire sur ma page? Combien d'entre vous, c'est là que vous avez appris qu'il faut faire ça, ça, ça? C'est combien d'entre vous? Dès que tu dis à ta soeur, je viens au village tel jour, c'est pour faire quoi? Oh non, je vais lancer ma poule. Ah, maintenant tu connais plus que nous, hein? Tu connaissais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Au casting, pourquoi? Croyez aux actes des gens. Souvent, ta mère est morte. Les gens qui quittent du village avaient les pagnes en boubou. Je ne sais pas. Diaz, tu es bête, ma. Diaz. Regardons le cas où tu veux informer la famille du mariage. Tonton, tu es libre quand je veux te présenter mon copain. Venez dans 10 jours. Tu peux aller, tu le vois. Non, non, tu ne peux pas faire ça sans voir. Tu dois d'abord aller voir le cousin de ta mère qui est là-bas. Tu dois aller voir l'oncle qui est là-bas. Tu dois aller voir le beau-père qui est là-bas. Oui, 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 tu dois aller les voir d'abord. Non, non, tu dois aller voir. Pour la première, tu ne les connais même pas. Tu les appelles. Oui, tonton. Oui, je suis la fille de maman Marguerite. Oui, tonton. Je suis là. Oui, je veux venir. Oui, Marguerite, tiens vous. Oui, tonton. Là, oui, la fille de papa, t'as quoi? Oui. Ah, oui, oui, ma fille. Oui, papa, je... 3 semaines plus tard. Bon, papa, tu sais, nous, on fait une petite cérémonie parce que, bon, voilà, on était étudiants, on vient à peine de commencer à travailler. Ça fait seulement 6 mois qu'on travaille. Il vous faut une grande cérémonie. Vous devez informer, vous devez informer. Mais mon fiancé, c'est un orphelin. C'est un orphelin. Il n'y a personne dans sa famille pour aider à faire tout ça. Il est seul.
C'est comme ça que ça l'a fait faire. C'est toi qui vas nous dire comment on fait les traditions? Marguerite, parle à ton enfant, hein. Tu connais quoi dans les traditions? Voilà, et c'est décidé comme ça là. Séance clôturée. Vous pouvez sortir du tribunal, s'il vous plaît. On juge ton cas sans que tu n'aies le droit de te défendre. Te voilà, tu regardes seulement les balles. L'oncle parle, la tante parle, telle personne parle. Tu restes au milieu, tu es tout petit comme ça. Ta mère n'est même pas là. Telle personne se lève. C'est la cousine de ta mère. Elle gâte encore jusqu'à... Et on t'a dit que tu n'as pas le droit de parler. Hein? Elle parle, elle parle, ça t'énerve, tu veux parler, ça t'énerve, tu veux parler. Comment tu veux dire les choses comme ça? Te voilà. Fille de palais, fille de palais, elle gâte la chose. Normalement, on doit même prendre 2 ans pour faire le mariage ici là. Hein? C'est la première fille de notre famille qui part en mariage. Ouh. Et quand elle parle tout de gauche, tu dis, c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes sur ça, les larmes commencent. Ton gars et toi, vous n'avez pas le droit de parler. Après, on passe la parole de l'autre côté. L'autre oncle se lève. Un oncle que tu n'as pas vu depuis 5 ans, c'est lui qui vient décider de ton sort. Vous savez, je ris comme ça. Hein. Venez voir le jour du mariage des enfants de ces gens-là. Hé! Sandrine se marie! Moi, j'ai toujours su! On a refusé ton mariage, ça fait 4 mois. Te voilà, tu croyais que la procédure de mariage dans la famille, il fallait qu'on monte, on descende? Non! La mère a pris au moins 3 semaines. Elle a marché dans chaque maison. Elle a préparé le tarot avec le vin rouge. Elle arrive. Et mon tonton, tu sais, j'ai rien de voir pour le mariage de Sandy. Tu sais que Sandy, c'est ta fille, non? Oui, tonton. Oui, moi, j'en prends encore un peu de bœuf. Oui, je te sers encore le vin, tonton. Ok. Vous savez quoi? J'ai les idées de vidéos. Tu vois, je viens te voir parce que tu sais, quand le mariage de Christelle a échoué, ça fait 4 mois là, tu vois, non? Oui, vraiment, ça, c'était très regrettable. Alors que c'est elle qui a bloqué le mariage là. Donc, tu vois, je suis venue te voir en avance pour que les choses comme ça n'arrivent pas pour Sandrine, tu vois. On apprend toujours de certaines situations malheureuses. Tu vois, attends, je mets encore les tripes. Oui, tu vas encore la sauce jaune. D'accord, voilà ça. Voilà, tonton. Attends, j'ouvre un peu le tarot. Le trou du milieu là, n'était pas bien fait. Voilà, tonton. Mange, tonton. Tu vois, non, tonton. Il fait... Maman, j'avais oublié que tu faisais bien le tarot. Hein? Apportez-moi l'eau pour me laver les mains là. Oui, ma fille, oui, c'est vrai, tu as raison. D'accord. Ah, d'accord. Il faut qu'on prenne la dot même. 500 000, c'est bon. 500 000, c'est bon.
Oui, c'est vrai. Tu sais que c'est bien quand tu fais des trucs à l'avance, tu vois, non? Oui, c'est bien. Oui, donnez-moi le mouchoir là. Oui, ma fille, ma fille. Avec mon vin là, oui. Servez-moi encore. Non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Encore, encore, Ok. On n'a même pas besoin de. On peut mettre la date de la cérémonie là, non? On fait ça dans 3 semaines, oui. Elle est venue insulter même le mari de ma petite soeur. Elle a parlé beaucoup de choses aujourd'hui. Ma petite soeur. Elle partait. Elle et son mari. Oui, on va faire. Je vais. T'inquiète pas. Attends, je vais appeler maman. J'appelle le chef de famille là, oui. Oui, papa, tu sais que c'est notre, quand même notre. Tu vois, avec l'échec qu'on a eu, le fiasco qu'on a eu sur Sandrine là, oui. Attends. On doit accélérer les choses pour que celle-ci se marie vite. Oui. D'accord. On va faire une réunion exceptionnelle. Oui, c'est bon. Ça va. Oui. 500 000, non. On n'a pas besoin de beaucoup de dot. Les 50 millions qu'on demandait là, non, non. 500 000, c'est bon. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je me charge de tout. Je me charge de tout. Quand on a une fille qui se. Tu sais, tu as toujours été ma nièce préférée dans la famille. Bon, je vais te dire, tu sais, va au village. Tu dois lancer la poule à tel endroit pour Sandrine. Tu dois partir là-bas, tu vas faire le saraka là-bas. Ok? Dans la famille, il y a les deux pères là que tu dois aller voir les deux pères là. Hé, papa, merci. Elle sort de là. Maman, on part où? On va aller à Bangoua pour voir le grand-père là. Nourriture. Quand c'était le tour de Christelle, la mère n'est partie chez aucune personne. Chaque jour, on disait à Christelle, tu ne connais pas organiser le mariage toi-même. Mais tata, je ne connais même pas qui il faut aller voir. Moi, je ne sais pas. Faut demander à ta belle famille. Écoutez, quand le Saint-Esprit descend sur moi, je ne parle pas en langue. J'ai les idées bizarres. Quand il vous parle comme ça, c'est comme on me donne des visions dans la tête. Je vois carrément des gens qui ont été bloqués comme ça. Je vois des tantes qui sont assises sur la vie de certaines personnes. Voilà qu'en 3 semaines, elle a fait le tour de toutes les concessions. Elle allait lancer les dernières poules qu'il fallait lancer pour sa fille. Elle a tout fait. Le jour du mariage, elle a payé les vigiles. Ils sont arrivés au village à temps. Nadège, que ton oncle a dit que ton père est mort, qui doit manger à sa place? Tu vas te marier dès 9 ans après que je sois mariée. Si tu. De la nuit, on viendra faire opposition. C'est mon cas, les femmes de mon père aujourd'hui, j'ai 5 enfants de 5 pères. Voilà. Voilà. Emine, voilà, même ta propre soeur. Même père, même mère. Écoutez, j'ai des paroles qui guérissent. Et quand je vous fais ce sketch-ci, là, ce n'est pas parce que j'ai rien à faire. J'ai espoir que. Parce que parfois, quand ça se passe, c'est même 4 ans après que tu peux rester comme ça, tu regardes, tu dis. Ah! C'était la faute de tel père.
nous de jeunesse là. On s'est connus quand on avait 17 ans. On a eu l'enfant à 20 ans. À 24 ans, il voulait m'épouser. On a commencé à dire que non, non. Voilà, me voilà aujourd'hui, j'ai 35 ans. Premièrement, c'est le seul enfant que j'ai eu de toute ma vie. On ne peut pas te dire pourquoi on ne s'est jamais marié. On ne peut pas te dire. On ne sait pas pourquoi. Dès qu'elle était venue la première fois, il a dit qu'il veut. On a commencé à l'insulter. Ah, tu es trop jeune. Hein? C'est toi le voyou là qui avait depuis elle. Hein? Certains n'aiment pas dire le décourager que vous êtes trop jeune, vous voulez vous marier, pourquoi? Hein? Donc c'est encore trop jeune, vous ne mariez pas maintenant. Ça décourage le gars. Ah chérie, on ne se marie pas maintenant, non. On est encore jeune. Quand il a décidé de pas t'épouser, là, il a commencé à tromperie sur tromperie. Chaque fois, tu le vois toujours dans des... Mais chérie, c'est qui ça? Ah non, 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 non. Tu sais, c'est elle qui me poursuit le coup après. Alors qu'avant, il n'était pas comme ça. C'est comme si j'ai vécu même cette vie. J'ai assez de vie dans moi. Assez d'échecs causés par beaucoup de personnes autour de moi. Beaucoup. 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 Marietta, il y a d'avoir des malédictions sur toi, Marietta. Par le kit fondation, tu commences déjà à faire. Premièrement, ces personnes-là, certains d'entre eux ont les emprises maléfiques sur vous. Certains, ce sont les esprits ancestraux. Il y a certains esprits mauvais dans votre famille. Supposons en l'an 1902, ils avaient peut-être des offrandes qu'ils faisaient. Peut-être à l'eau, non. C'est pour ça que vous allez voir, j'enseigne beaucoup sur les offrandes à faire, à l'eau, à tous ces trucs-là. Parce qu'il y a certaines entités chez qui votre famille partait souvent donner la nourriture et parler. Maintenant, vous avez grandi. Maman est morte très tôt, sa mère ne lui avait pas montré. Vous avez été déconnecté. Et vous n'honorez pas ces gens-là. Du coup, quand on les honorait, ça calmait leur colère. Maintenant, quand vous les avez oubliés, ça fait maintenant qu'ils mettent cette animosité. Ça fait que ça, on vous rejette. Tu es bien avec un homme. Dès que l'enfant naît, comme tu as dit là. Parfois, c'est dès que tu dis que tu es enceinte. Dès que tu dis que tu es enceinte, c'est comme si on a changé son cerveau. Mais bébé, on était bien ici là, bébé. Le bébé, c'est comment? Le bébé, hein? Mamie, est-ce que bébé est encore avec toi? Bébé n'est plus là. J'ai consulté une dame, son copain. J'ai consulté son copain l'autre jour. En consultant, il me dit les bienfaits de sa copine. Oh, si j'ai vraiment fait ça, c'est à cause d'elle. Si j'ai vraiment, elle m'a sorti d'un trou. Il avait été envoûté par son ex-femme, nanana, nanana. Il me disait que vraiment, tout ça, c'est à cause de celle-ci, vraiment. Quand elle est rencontrée, elle m'a parlé de toi. Elle m'a... Une semaine plus tard, j'ai rendez-vous avec la fille. Elle me dit que, maman, on a eu les problèmes ici, là. Il m'a laissé au camp. Avec un nez autonome, il est parti comme ça, lorsqu'on va regarder derrière. Une bonne femme qui prie, pieuse, qui est ceci. Yay! Yay! Elle dit que maman, chérie, quand elle parlait, vous étiez bien. Elle dit que maman, laisse-moi. Comme tu vois là. Souvent, celui qui est honnête va te dire que je t'aime. Mais il ne veut pas être avec toi. Tu dis que sorcellerie. Que quoi? Que quoi?
Que quoi? Je t'aime. Oh. Tu es dépassé. Tu es dépassé. Voilà Yannick, c'est ça non? Même si vous êtes deux enfants qui s'aiment, il y a les adultes qui vont voir, ça ne va pas leur plaire. Parce qu'ils connaissent, ils voient vos étoiles. Et quand tu as une lumière très forte, il y a aussi un truc, ça c'est un secret de vous-même que je vous dis. Certains d'entre vous, bonjour la reine Chuan, m'ont parlé hier. Oh, tu me vois. Hmm? Tu vois quoi? Beaucoup d'entre vous, dans votre jeunesse, vous aviez le flair des hommes qui auront l'argent. Et vous-même, en vous, l'argent aussi est là. Donc, c'est pour ça que tu vas voir que le père de tes enfants avec qui tu as eu peut-être le premier enfant, on vous a séparé. 10 ans plus tard, il y a beaucoup d'argent. Souvent, quand vous regardez comme ça, là, 15 ans plus tard, il te dit que je t'ai aimé. Non, mais je ne sais pas pourquoi tu avais quitté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouati, Ngati, Yepo. Beaucoup d'entre vous, quand vous observez votre vie, on a beaucoup gâté. Niembe, dis-moi, enseigne-moi le bakoko, je veux parler. On dit bonjour à bakoko. Tu avais une tante laquelle n'aimait pas ton premier gars là. Elle avait vu que le gars là aurait l'argent. Elle avait vu. Et il ne fallait pas que tu restes avec lui. Les gens sont méchants, hein? Vous pensez encore que tout le monde a le bon cœur sur vous, non? Matama, ok. Tu vois, quand tu étais jeune là, tu étais d'abord belle. Et ton gars là, tu l'aimais. Voilà, Marita, il ne sait pas pourquoi tu as quitté. Vous savez, ça sont des blessures. Ça m'a mis du temps pour, ça m'a pris du temps pour guérir. Ça m'a pris du temps. Pourquoi je dissocie la jalousie des gens qui disent qu'ils t'aiment? De ta bêtise en fait.
La méchanceté sera toujours là. Maintenant, vous devez apprendre à accepter qu'il y a des gens sur cette terre qui ne vont jamais être contents de votre bonheur. Maintenant, vous allez apprendre à protéger votre bonheur comme l'œuf. Mais vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Quand Dieu te restaure, tu regardes comme ça, là, tu te dis que... Hey, je vais vous lire le psaume 126. Je sais que la nature est établie, mais je ne veux pas que vous attendiez la nature. Si tu attends qu'un champ fasse pousser du maïs, tu vas attendre un peu trop longtemps. Ça peut faire 3000 ans. Donc, alors que si tu peux... Si tu peux, tu prends le maïs, tu mets dans la terre. Là, tu es sûr que dans 3 mois, j'aurai le maïs. C'est ce que je veux que vous appreniez à faire. Vous m'avez suivi. N'attendez pas que les choses se fassent seules. Je vous parle comme c'est pas là, ma petite soeur. Voilà, tu vas te raconter tes problèmes de ton mari. Écoutez bien. Vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à vous laver avec le sel. Il y a les kits que j'ai mis à votre disposition. Il y a le kit déblocage. Il y a le kit fondation. Il y a le kit célébrité. Il y a le... Prenez un d'abord, tu fais. Un, voilà le sel. Achetez le sel. Vous faites votre travail. Le Dieu que je sais, Job, je vais vous lire d'abord Job avant de lire le psaume, c'est que je voulais lire. Ne suivez pas seulement mes vidéos, achetez les produits que je vends. Prenez le temps que ça va prendre, achetez. Je vais vous lire l'histoire de Job, la fin. Pendant ces, Job chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières années. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Écoutez bien. Écoutez-moi, Seigneur, je t'en prie, ouvre le cœur de tes enfants. Ouvre leur cœur à la restauration que tu m'as montré, que tu es en train de faire, Seigneur. Il eut 7 fils et 3 filles. Ses premiers enfants étaient morts. Il y a même certains d'entre vous qu'on vous a manipulé pour que vous avortiez dans votre jeunesse. Tu étais enceinte à 16 ans, 17 ans. Ta tante a commencé à dire, hein, tu peux avoir avec l'enfant. Gna, 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 gna. Elle a parfaitement pris en cachette, elle est partie te faire avorter. Te voilà 10 ans plus tard, tu n'as plus jamais conçu. Il y a les temps, il y a les gens qui vous manipulent, que vous abordez, spirituellement et physiquement. Je vous dis, moi, roi. Certaines personnes qui sont comme des jougs. Dès que tu penses à ce que ta tante va dire, tu vas, pardon, enlever l'enfant, c'est le moment. Ce que ta mère va gérer, ta mère va, tu vas dire, donne-moi l'enfant, non. Mais ta tante, Dieu, pourquoi tu as même mis les tantes sur nos chemins? Pourquoi tu as créé le mot tante, Seigneur? Hey, oncle. La reine Marietta, tu commandes ça en France. Soit on envoie ça du Cameroun, comme dans les promotions actuellement là. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de
Jemima, à la seconde Ketia, à la troisième Keren Apouk. Il n'y avait pas dans le pays d'autres belles femmes que les... Je suis sûr que je suis la fille de Job. Job, tu es sûr que tu n'es pas mon père caché? Faut que je demande à ma mère si elle n'avait pas un peu flirté avec Job là. Hein? Patience, tu dois prendre le kit de déblocage plus d'abord. Après, tu vas faire fondation. Tu as un peu de patience. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 40 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Vous savez que les enfants accouchaient vite. Si il vous accouche, il vit encore 40 ans et il voit 4 générations. 15 ans, Jemima m'a accouché. 14 ans, la fille de Jemima m'a accouché. Ça fait déjà combien? Ça fait il y a 29 ans. Bon. 13 ans encore, la fille de Jemima m'a accouché. Quand il y a l'argent, même à 12 ans, l'enfant peut aller se marier. Vrai. Et Jocelyne mourut âgée et rassasiée de jours. Oh, j'aime ça. I like it. Jocelyne mourut âgée et rassasiée de jours. Méditez-moi cette parole-là, s'il vous plaît. Vous devez méditer votre bonheur. Vous m'entendez? Jusqu'ici, tout ce qu'ils vous ont fait voir, c'était du malheur. En passant, j'ai eu ça hier. Et je pense que là où j'ai acheté ceci, il y a encore 3 articles. Vous savez que j'aime le business, non? Si quelqu'un est intéressé, me fait le message inbox. Je ne vais pas acheter sa page, je ne donne pas ma part. C'est très beau. Le prix d'achat d'abord c'est très cher, mais c'est très beau. Je sais pourquoi. Tu peux décorer ta maison et tout ça. Donc tu bois dedans. Hein? J'ai trouvé un magasin très chic ici là. Regardez le sous-tasse que j'ai acheté. Qui connaît ce que c'est? Qui connaît? Effectivement, c'est une pierre et c'est un sous-tasse en même temps. L'améthyste, oh ouais, Izzy m'avait déjà dit l'améthyste, voilà. J'ai trouvé de belles choses hier. Je sentais comme ça, je marchais. Je suis tombée sur un beau magasin. Je dis ça pour recharger mes pierres. Ok. Ouais, c'était une petite pause commerciale. Les kits. Il y a les numéros des représentants là-bas. Ok? Donc, vous avez les kits. Vous n'avez pas besoin de consultation pour prendre un kit. Hein. Nina, on t'a dit d'acheter le bâton de commandement. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Au Cameroun, c'est 15 000. Côte d'Ivoire, Gabon, partout d'ailleurs, c'est 18 000. Et aussi les donne-moi tout. Donne-moi tout passe-partout.
Commencez par le kit débouclage plus plus. Le kit fondation. Le kit déblocage plus plus va d'abord venir un peu enlever tout voile qu'il y a sur toi. C'est les choses en toi, ça va retirer. Maintenant, le kit fondation va venir couper l'influence. Je ne veux pas les tenter, oncle, parce que ces personnes ont de l'influence sur vous. Le kit fondation va couper tout ce qu'il y a d'ancestral qui est négatif. Et puis, le kit célébrité, c'est pour vous activer votre étoile. Si tu fais le tel commerce, si tu as une page Facebook, tu veux qu'on te connaisse plus. Le kit célébrité ouvre en fait ton aura. Ça fait que beaucoup de personnes te voient et te connaissent. Ok? Il y a le kit d'attirance et beaucoup de nouvelles du kit d'attirance. Et les femmes que on commence à les regarder en route seulement parce qu'elles ont pris le kit d'attirance. Et Marie qui accepte les doléances qu'il a refusé depuis près de 6 mois, il te donne. Petite attirance. Bonjour la reine Godlive. Le kit déblocage en Belgique, tu vas prendre. On va te poster ça. Les frais d'envoi en Belgique, c'est 45 000. Et le kit lui-même coûte 55 000. Donc tu vas prévoir 150 euros. T'as compris, non? Ou tu peux contacter celle de Paris et t'envoie ça. Je crois que ce sera tout 150 euros. Marie, t'as 1 euro. Le kit là, tu vois, ce kit fondation là, c'est 150 euros aussi. Le kit déblocage plus au Cameroun, c'est 55 000. Jeudi. On te poste à Lyon aussi. Il y a les numéros ici. Mais si tu n'arrives pas à les joindre, tu peux écrire à ce numéro ou envoyer le contact. Parce que je n'ai pas le numéro en tête. Et mon deuxième téléphone. Vous savez, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai parlé, c'est pas vous qui avez, j'ai parlé, ok. Oui, Marita, contacte-moi en privé. Je pense qu'on va faire, on va aussi faire un lavage en privé rapide, un lavage express. Je vais faire des offrandes à l'eau cette semaine encore. On va aller à l'eau peut-être demain. Donc, ceux qui veulent faire un sacrifice à l'eau, vous pouvez déjà nous contacter. On a eu des témoignages tellement puissants la semaine passée. Tellement. Bon, l'homme maestro, donne-lui. Bon, je vais te donner un numéro ici là dans les commentaires parce que les gens là. Attends. Bon, Marietta, voilà ma représentante. L'or là, non. Elle peut t'envoyer aussi rapidement. Je sais pas comment vous allez vous écrire en inbox. Parce qu'il y a tellement de scammers sur ma page que je ne veux plus qu'on donne les numéros en commentaire. Parce que quelqu'un peut regarder le direct après, il vient encore t'écrire en inbox. Mais Laure, la maestro, c'est une de mes représentantes.
Non, je ne veux plus. Je ne veux plus qu'on vous... Les gens, les scammers, là, sont trop sur ma page. Oui, Camille, la légende, je vois le message. On peut te faire une consultation. Je n'arrive pas à vous joindre. Bon, Marietta, je donne le numéro de la représentante. C'est sur la page, mais je vais quand même te le donner. C'est plus 49. 'Shouping, le cristal noir, je l'ai fait en pendentif, je le vends à 20 000 francs. Très puissant. C'est comme la griffe, c'est comme une griffe. Plus 49, voilà son numéro, plus 49, 17, 84, 93, 80, 88. Donc plus 49, 17, 84, 93, 80, 88. Donc si elle t'envoie les kits, tu as besoin de faire une consultation, un lavage express. Donc, tu vois ça avec elle. Donc, si tu n'arrives pas à la joindre, vous voyez comment vous allez vous rejoindre en tout cas. Bon, ça va. Je disais ceci tout à l'heure avant de parler de ça. Je disais, quand on t'endort, on fait le genre que tu ne crois même pas que tu peux changer ta situation. Tu attends que Dieu vienne faire quelque chose. Donc, il y a un psaume que je voulais vous lire tout à l'heure. Le psaume 126. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver et bye bye à ceux qui sont à tout travailler. Bye. Bye. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, votre période de sortie de la prison est arrivée. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous entendez? Vous m'entendez? Vous m'avez bien compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand l'Éternel ramena les captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Votre vie va changer. Qu'est-ce que ça dit? Hey. Hey, donc c'était possible que tu restes avec un homme, il t'aime, il s'occupe bien de toi, il te respecte, il a le mambo sur le ventre. Vous me connaissez avec le mambo, non? Excusez-moi, j'aime aussi les bonnes choses. Pardonnez-moi mes cœurs sur ma vidéo, c'est qu'elle parle bien. On t'a dit que comme tu as 45 ans, là, tu ne peux pas te marier avec un gars de 35 ans, n'est-ce pas? Le gars là va venir, il va sauter toutes les femmes là, les 25 ans. C'est toi qui va venir choisir. Tu vas dire, hein? Il dit que c'est que sur toi que je meurs. Oh Seigneur! Vous devez croire, s'il vous plaît. Vous avez suivi. Nina, tu y es. Tu vas dire que mon ex, quand tu m'as quitté, c'est la meilleure chose que tu aies fait de toute ma vie. La meilleure chose. The best thing that you ever did to me. Et ça que je ne vous parle jamais de mon mari. Un jour. Un jour. Un jour. Le temps n'est pas encore là. Continue, c'est ma chose.
Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, on disait quoi? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Vous entendez? La souffrance que vous souffrez là, ce ne sera pas pour longtemps. Éternel, ramène nos captifs. Demain, quand vous allez faire votre lavage au pipi, vous prenez le passage-ci. Je me sors de toute captivité, de toute prison. Et d'ailleurs, même maintenant, je déclare que je vous sors de toute captivité spirituelle et physique. Toute personne chez qui vous vivez, tu es sorti, tu as eu ta maison, tu as avancé. Tu te retrouves 5 ans plus tard, tu es encore revenu chez ton oncle vivre. Je vous sors de toutes ces maisons au nom de Jésus-Christ. Ta vie change en 2 mois. Et ça ne fait pas comme ça là, après ça, après ça, après ça, après ça. Comme ça. C'est pas la fille qui était ici là, elle faisait. Elle part maintenant à Dubaï. Comment? Mais attends un peu. C'est pas la fille de maman l'autre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez croire. Vous devez croire. Vous devez croire. Le numéro du pays, c'est le 680-711-0701. Voilà ça que j'ai épinglé sur la vidéo. 680-711-0701. Éternel, je me sors de toute captivité. Comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'était difficile quand tu sèmes, non? N'est-ce pas? Ça fait 3 mois que tu as commencé à payer la dîme. Souvent quand tu payes la dîme, comme ça, tu dis que ouais, j'aurais même dû payer. J'aurais pu payer même le sac de l'école à l'enfant avec ça, non? Ouais. Ouais. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. En sémant, tu es là. Voilà mon offrande. Voilà mon offrande, Seigneur. Encore. Deuxième mois. Troisième mois. Tu payes, premier mois d'offrande, tu payes, tu es ici. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième, septième. Tu arrêtes déjà les branches, tu sors. Je prospère par ce que je vous enseigne. Vous me suivez. Une jeune femme qui vient l'autre jour. J'ai beaucoup aimé sa foi. Je l'ai, elle a été, you know. Elle arrive. Elle me dit qu'elle paye sa dîme. Généralement, si vous venez à Douala, quand je suis là, si vous payez la dîme, je vous reçois. Elle sort 150 000. Je vois une petite femme comme ça là. Je dis, mais tu payes la dîme de 150 000. Je lui dis, tu as prié. Elle dit que j'ai tout ça dans ma tête. Je vais seulement réciter devant toi. Je lui dis, d'accord, vas-y.
la foi de la femme. Il n'y a que la foi qui m'impressionne. Hein. Pas la voix des voitures, pas le... Seigneur, je reçois mon mariage cette année, ma grossesse. Je déclare que mon business que je suis en train de lancer est le fifo d'affaires. Quand elle priait, je sentais l'Esprit Saint m'envelopper et l'envelopper. Elle me dit que elle me suivait sur mes enseignements depuis au moins 5 ou 6 mois. Elle s'est sortie du trou par ce que j'enseigne. Et là, elle est en train de lancer son premier business par ce que j'enseigne. Pour le mari, elle a décrit le genre de mari qu'elle veut. J'ai dit, hé, mamie, elle est dans la prière avec moi. Hein. Je reçois mon mari. Oui, un mètre ceci, ceci, je vois le. Hein? Ouais, Seigneur. Ça m'a beaucoup plu. Vous devez savoir semer. Oui, à 4 heures, tu as sommeil, tu es fatigué, tu ne veux pas. Oui, Nina. Quand elle me met souvent dans la vidéo ici, là, je vous dis que... Je sais que pour vous, je suis juste... Je ne parle pas, je ne suis pas fleur de lime. Je ne parle pas pour faire rire seulement. Je veux que quand tu quittes de ma vidéo, quand tu vas vouloir ouvrir encore ta bouche pour parler à ta tante de tous tes projets que tu as de repartir au Canada. Ah, elle a dit dans la vidéo là qu'il faut se taire. Quand en te couchant le soir, tu mets ton alarme à 4h30. Parce que c'est qu'à 4h30, tu vas te lever, tu vas faire ta prière, tu vas te laver le pipi, tu vas encore te coucher pour dormir. Je veux que vous intégrez moi dans votre quotidien. Vous n'allez pas perdre. Je peux vous dire parce que je sais. Il y a des gens qui ont prospéré parce que je suis en train de vous enseigner. Et ils sont toujours en train de prospérer. Bonjour la reine Sylvana. Commencez à prendre ce que je dis au sérieux. Ça m'attriste quand je rencontre des gens dans la rue qui me reconnaissent et qui me regardent toujours comme si j'étais la télé. Je vais hier en ville là-bas. C'était à côté de l'endroit où j'ai acheté le truc ici. À côté de l'endroit où j'ai acheté ça. Généralement, quand les gens me reconnaissent, je peux savoir. Oui, une dame s'arrête, elle me regarde. Elle chuchote à sa copine. Ok. Ah! Ange Bams. Sorcière sur ma page, je connais non. Et c'est moi un brave. Regardez-moi. À force de m'écouter, vous allez vous repentir. Oui. Sylvana, j'espère que ta maman est rétablie. Nous venons mettre la santé parfaite sur ta mère au nom de Jésus. Me dit oui, je vous suis. Vous êtes la femme de TikTok, non? Oui. Est-ce que tu fais ce que j'ai dit sur TikTok?
Clara, je me rappelle de toi hier. Oui. C'est toi qui parlais hier. Je t'ai dit, voilà, 140 000. Recevez encore l'argent. Recevez. Ne regardez pas les vidéos, c'est seulement pour dire j'ai vu. Il y a le dernier passage du psaume 126 que je n'ai pas lu. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà. Je déclare toute l'âme que vous avez coulée, toute personne que vous avez aidée au moment de récolter, ils vous ont chassé. Toute personne que vous avez aidée à établir un business après, vous a chassé. Tout homme que tu as aidé quand il fréquentait ou bien quand il construisait sa maison, quand il a fini, t'a chassé de la maison. Je déclare que tu reçois toi-même ta part de maison qu'on a déjà construit au nom de Jésus. Toute sueur que vous avez coulée quelque part, merci destinée, merci. Toute sueur que tu as coulée pour mettre dans la chose de quelqu'un, je rappelle ta sueur, ton temps, ton argent, ta sueur que tu as dépensée pour préparer et partir leur donner. Oui. Vos diables là vont venir s'agenouiller devant vous et demander pardon au nom de Jésus. Toute cette sueur là, j'appelle maintenant l'univers qui se rappelle de vos larmes, qui se rappelle. Il se rappelle les promesses qu'on est venu, on vous a dit, je te promets ça. Toute personne qui vous a fait une promesse, après, elle a été envoûtée. Je déclare que la personne revient dans son esprit. Je commande que son cœur revienne à lui. Il t'a épousé, il est parti en Europe. On l'a bloqué là-bas. Il t'a oublié, lui. Il y a une fille là-bas qui a tourné sa tête. Je chasse la femme de sa maison aujourd'hui, au nom de Jésus. Les hommes, vous êtes partis en Europe, on est resté voler vos femmes là. Voilà. Je déclare que ces personnes-là libèrent vos femmes au nom de Jésus. Papa, quelqu'un vient vers toi, il a l'intention de te faire des trucs de bien. On le bloque. Que si c'est à la femme là que tu vas donner, bêta, tu ne donnes à personne. On bloque sa marchandise en route. Bonjour la reine Mariam.
Il y en a parmi vous, vous revenez de loin. C'est comme si tu sortais d'un... C'est comme si tu dormais et c'est maintenant que tu te réveilles. Je ressens ça. C'est comme si il y en a parmi vous, que c'est maintenant que tu vois aussi comment ta vie peut avancer. Maintenant que ton espoir revient. Maintenant que tu as espoir de la vie, en fait. On t'a traité, en fait, je vois que tu étais comme ça, comme un papier qu'on a froissé. Non, le Seigneur est en train de te redresser. Toute dette, toute personne qui vous doit de l'argent, vous allez prendre de l'eau. Parlez sur l'eau là. Tanya Jean Bosco. Tanya Jean Bosco. Déclare que tu remets mon argent. Si effectivement tu bois de l'eau aujourd'hui pour vivre, comme je bois, c'est je verse au sol. Remets mon argent. Écoutez-moi, les bonnes choses n'ont pas encore commencé. Les gens vont vous envier. Les gens vont vous envier. Jesus. Aïe. Regarde comment ils voyagent. Regarde comment ils sont beaux. Regardez. Hey. Pourquoi ces enfants ont réussi comme ça? Tu vas rester, tu vas chercher les mauvaises nouvelles fatiguées. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, depuis un an, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Mais c'est normal ça. Il dit, mais oui, bébé, quand tu écoutes la reine Jocelyne, qu'est-ce qu'elle te dit tout le temps? Ah, c'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Excusez my French. Excusez-moi, c'est le message de l'argent. Quand il s'agit de l'argent chez moi, là, il est donc au 8. Canne à sucre. Quelqu'un te fait la musique de Fali en bas là-bas, c'est tellement bien. Tu vois, quand tu es dans ta grosse voiture, avec le chauffeur, parce que moi, je n'aime pas trop conduire. Et puis, vous êtes sur les routes de l'ouest là. Tu regardes les montagnes là, en jouant un peu du Fali, il pousse pas. C'est ce qui est dans ma tête depuis. C'est pour ça qu'elle fait que rire. Excusez-moi. Canne à sucre. Mais chérie, pourquoi on n'a pas de problème depuis? Pourquoi on s'engueule pas? Ben, faisons semblant. Allez, faisons semblant. Certains d'entre vous, vous allez me faire les vidéos TikTok. Vous allez lancer vos vidéos avec votre gars sur TikTok. Vous voyez, quand vous voyez les gens sur TikTok, ils sont tellement choux. Pour de vrai, quoi. Pour de vrai. Je dis, mais non, ils prétendent. Non.
Ce sera de vrai, vrai, vrai. Vous pouvez lancer ma page aussi. Je vais lancer ma page de TikTok. Je parle beaucoup du futur bonheur parce que c'est là que le Seigneur, c'est là que le diable vous attend. Quand on va finir de parler. De toutes les façons, tu fais comme ça, n'est-ce pas? Après, tu vas retourner encore dans les mêmes problèmes. Tu dis non. Mais non. Mais non. Mais tu parles de quoi? J'ai fait mon kit déblocage. Donc, il n'y a plus de serpent dans mon ventre pour m'embêter. J'ai fait mon kit célébrité. Donc, voilà, je ne vois pas. Non. Ah non. Ah non, 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 non. Ah, même moi, je dis non. C'est pas possible. On fait tes papiers en 3 semaines. Tu arrives en France, bien. Après 2 mois, on te donne 4 de 10 ans. Ouais, Seigneur. Oh, Seigneur. La souffrance est finie. Je vous annonce que, officiellement, votre période de souffrance est finie. Oui. Je vous dis, c'est fini. La souffrance est finie. Dites amen. On va plus se moquer de vous dans votre vie. Amen. Il n'y aura plus de période où vous n'avez plus d'argent pour manger. Et tous les moments, on se moquait de vous. Et vous avez même honte de sortir. Tout ça, c'est du passé. Amen. Et quand vos décepticons vont vous chercher, ils vont venir sur vos statues, ils vont vous guetter. Ils vont que vous partez d'un pays à l'autre. Ils vont devenir fous, oh my God. Ils vont avoir la WC. Amen. Ils n'auront plus d'emprise sur vous. Ils ne pourront même pas vous localiser. Et quand ils vont chercher votre numéro, ils vont vous écrire. Ça va partir dans les messages spam. Vous ne pouvez même pas leur répondre parce que vous n'avez plus leur pression. Amen. Vous êtes devenu sage. Maintenant, vous fonctionnez comme James Bond. On n'arrive plus à savoir ce que vous faites dans la vie. Ils ne peuvent plus détecter votre fonctionnement. On vous cherchait dans les rêves, on ne vous trouve pas. Maintenant, vous êtes devenu le lion, vous les tapez. Amen. Aïe. Et puis vous allez commencer de nouveaux business. Dans quelques mois, vous serez à l'étranger. Vous allez aussi recevoir votre argent. Vous allez voir comment vous allez faire des projets avec. Amen. On ne va plus vous escroquer. Oh non. On ne va plus vous dire j'ai le réseau. Quand tu mets ton argent sur le réseau, la personne disparaît. Toute cette histoire, c'est fini dans ta vie. Amen. Tu vas rencontrer ton gars. Vous allez vous marier en 2 mois. Vous allez tomber enceinte en 3 mois. 1 an plus tard, tu regardes, tu vois ton enfant, ton mari, ta maison. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il va dire, c'est la bénédiction. Tu vas dire, amen. Ils ne peuvent plus vous toucher. Ils vous cherchent dans les réunions familiales. Voilà le mois d'août, ils vont vous chercher sans vous voir. On va dire, mais elle est passée où?
Oh, tu n'as pas entendu. Elle a eu son visa, elle est partie. Amen. Quand ils dansent comme ça, mes haters voient ça, les énerve. Pourquoi la fille s'est... Seigneur, mais mes haters, là, vous avez le cœur. Moi, je ne peux pas me partir sur la page de quelqu'un qui m'énerve. Moi, je ne peux pas, moi. C'est quelqu'un qui va rire, ça va me piquer le cœur. Il rit, ça te... Tu vois, quand tu tombes sur le statut de quelqu'un que qui t'énerve, ou que tu es jaloux de la personne, tu tombes sur son statut par erreur, tu sens comme si le feu t'a brûlé. Excusez-moi. Les haters, you know. Tu tombes sur le statut de quelqu'un par erreur comme ça là. Tu sors vite. Tu ne veux pas qu'ils voient que tu as même vu le premier statut. Mm-hmm. Vous connaissez, non? Et puis, venez, tu veux que tu sois plus cher. Give you glory. I have come to give you praise. I have come to give you worship. Papa. Hey, yeah. Dieu. Quand ton nom arrive avec Dieu. Tu te réveilles le matin comme ça là. Votre droit de naissance, c'est le bonheur. Vous suivez? Tu mérites le bonheur. Ça, c'est un truc qui m'énervait beaucoup quand on me disait ça. Oh, tu es tellement gentil. Ah, moi, tu es belle. Tu es intelligente. Hey, comment une belle fille comme toi, comme ça, souffre, non? Ça m'énervait. Ah! Je n'aimais pas ça. Non, tu ne dois pas souffrir. Non, tu ne. Oh, comme une fille gentille comme toi, je vois comment tu es sincère. Je suis venu vous montrer comment vous allez prendre votre bonheur. Vous suivez, non? Toi-même, tu prends. Tu n'attends plus que... Parfois, tu marches en route. Ça nous arrivait souvent. Les films nigériens, là, non. Les gens qui ont toujours regardé les films nigériens, là, que le milliardaire s'arrête, il s'arrête en route. Le milliardaire s'arrête en route. Il garde sa voiture. Tu avais le truc sur la tête. Psst. Excuse me. Can you help me? Are you talking to me? Yes, sir. I'm just going to, you know, round the corner. Do you know the place? I don't know. I'm just in this village. I am just carrying, you know, I'm just fetching water to give to my mother. Oh, you're such a pretty girl. Oh, you know what? I'm going to marry you. You just come with me. Get in the car. Just drop that water, you know. I'm just going to help you.
Là, voilà. Hey, let me clean my clothes. Elle entre dans la voiture. Are you right? Why? Are you sure you can carry me to my house? Yeah, I'm fine. Don't worry. You know, I was just going. You know, I'm not in a rush. I can do it anyway. So just come with me. You know. Hey. Combien de fois vous avez attendu de tomber sur le prince charmant qui va changer votre vie? Pourquoi ça n'a devenu que avant là que dans les films nigériens, j'ai arrêté d'attendre le prince charmant. I started changing my own life. Yes. I changed my own life, man. I just understood that nobody's coming to save me. Nobody's coming. There's nobody coming to save you, girl. So you better brace yourself. Personne ne vient te sauver, ma chérie. Tu es ton propre sauveur. Quand tu passes, tu marches, tu vois une grosse voiture, tu passes, tu fais. C'est vrai que ça arrive, ça arrive souvent, mais je n'ai pas dit que ça n'arrive pas. Ça fait 5 ans que tu attends que la voiture s'arrête. Les grands jours sont à passer devant toi jusqu'à. Tu espérais qu'ils te font le scénario du film nigérien, ils ne sont jamais arrêtés. N'est-ce pas? Lève-toi, tu te souffres. Je suis camerounaise épiphanie. Puissant. Mon passeport, c'est le ndolé. Ndolé vert, avec le camp moi. Donc moi, je suis plus camerounaise, ma chérie. Je parle mes deux langues. Je ne fais pas partie de ces concepts qui font que la femme va attendre. Seigneur, donne-moi un homme milliardaire. Il y a des femmes qui arrivent quand je dois vous laver, tu me sors ça sur le truc, je dis, mais t'as pas où? Mais là-bas que je vais créer mon entreprise, mon chiffre d'affaires va monter. Moi, un homme milliardaire. Je préfère rencontrer mon gars dans les colloques. On se rencontre dans les réunions des riches. J'ai une réunion qui est faite. Moi, les réunions, j'ai trop fui les réunions. Clara, je sais que c'était 150 mais qui te rend heureuse. Je sais. On a une réunion là qu'on fait. J'avais peut-être 4 mois en bâti physiquement. Donc, c'est tombé au moment où j'étais au pays. J'arrive à la réunion. Tu arrives à voir, tu sais que chaque personne qui est assise ici, là, en tout cas, tu connais derrière. Ok. Maintenant, on finit la réunion, non? Il y avait les chisa qui venaient se chercher dans la réunion, là. Et sur ce, vous avez dit que quoi? Donc ils arrivent. On a fini de débattre l'argent et prêter l'argent aux gens et tout ça. Elles viennent à la fin là. Tu vois, elles s'asseyent, elles ont croisé les pieds, comme ça là. Et elles ont fait, elles ont un peu les quinto. Les quinto, vous appelez ça les quinto. Ouais. Kamini, bonjour, merci, roi Kamini, ou c'est reine Kamini. Elle appelle les Kinto, on appelle ça Kinto, non? C'est les Kinto. Ou c'est les Kimbo, c'est les Kinto. Je fais qu'on ne sait pas, maman, est-ce que vous savez que par mois, pour la nourriture de cet événement-là, de cette réunion-là, on sort 1 million. Voilà, c'est les Kinto, merci. On sort 1 million, il nous prend 1 million pour la nourriture. Et j'ai mangé la nourriture seulement une fois. Donc voilà la réunion.
Tu veux n'importe quel vin, on te donne. Tu veux n'importe quoi. Il y a les champagnes sur la table en désordre. Il y a les vins léchés. Ouais. Même d'abord, la maison, on fait ça là, ce n'est pas la blague. Il dit, ok, j'arrive. On sert mon vin. Me voilà. Il fait. J'ai que les quintes de go là. Il va commencer à se positionner. Il prend mon vin. Oui, oui, oui. On dit, en tout cas, on fait la vente d'argent là. Je guette seulement. Après qu'on lit mon nom, je dis présente. J'ai que des filles avec les quinto. Je vois comment elles sont en train de se positionner sur les hommes là-bas. Vous savez ce qui est marrant? Tu arrives. Ça, c'est le mot que j'aime trop. Hein. J'ai visualisé ça même 50 fois. Donc, comme je fais ça maintenant, là, ce n'est pas le hasard. Tu arrives d'abord, tu dis au chauffeur que chauffeur, ne pas me déposer au parking. Dépose-moi devant la porte. Je vous donne les secrets. Écoutez, quand il veut crâner. Ok. Il arrive, il garde. Il garde ça. Devant la porte. On guette. Parce que voilà, les vitres de ma voiture, de l'arrière, sont un peu fumées. Oui. Tu vois les hommes qui sont arrivés là, ils guettent un peu. Que c'est qui comme ça là? On ouvre la portière. Tu vas voir d'abord le pied, un talon là. Bon, ça là. Ouais, Seigneur, je suis une actrice. Hein. Hey, Seigneur. Tu vas voir d'abord un talon. Généralement, ce que je fais, qu'elle sort de la voiture, je prends mes deux pieds en même temps. Parce que souvent, quand tu as les jupes un peu serrées là, je prends mes deux jambes, j'envoie les deux pieds en même temps. Pouf! Je dépose à terre. Je descends. Je sors. Je me penche pour prendre mon sac dans la voiture. Oh, ça a le goût. Écoutez, les hommes là guettent. Ils guettent. Aïe. Je parle de prendre mon sac dans la voiture. Je prends mes lunettes de soleil. On commence la réunion à 19h. Et tu mets les lunettes de soleil, donc tu comprends ce que ça veut dire. Tu arrêtes de taper les styles. Te voilà avec les lunettes. Ouais, où sont mes lunettes que j'ai ici là? Tu fais. Je ferme la portière. Tu devrais m'attendre de l'autre côté là-bas. Tu entres. S'il y a un truc que j'ai vu, une différence que j'ai vue, c'est quoi? Il y a de cela quelques années, j'aurais pu venir faire comme les filles qui ont les quinto. Vous riez. Vous devez avoir les démarches de la Bentley. J'ai pas encore sorti ma démarche de la Bentley. Vous devez avoir la démarche de la Mercedes. J'ai déjà sorti l'autre là. La démarche de la Fortune. J'ai déjà sorti l'autre là. Il y a la démarche de la Bentley. Ce que j'ai remarqué dans cet endroit, c'est quoi, comme je disais? Quand tu arrives, ça faisait 5 mois que j'étais à la réunion, je n'étais pas venu. Non, il y avait des gens qui sont régulés, c'est-à-dire ils viennent manger le nourriture. Il arrive d'abord, mais il va localiser que c'est qui là-bas. Qui là-bas. Okay. Donc, on dit, ok, début de la séance. Vous savez combien d'hommes sont venus me parler? Genre, tu vas voir que c'est l'homme qui va faire l'effort de venir vers toi. Vous allez dire, oh wow, votre bouche va faire va caler au sol. Vous n'allez pas encore dire, oh wow. On vous dit d'avoir la jambe, vous allez. Et j'observais les femmes là qui se positionnaient. On sert peut-être la nourriture. Tu vois, quand tu pars pour te servir, il y a un traiteur monstre là-bas. Quand tu pars pour te servir, c'est peut-être l'opportunité. Tu vois, tu croises quelqu'un peut-être, vous vous tamponnez un peu. Il sourit un peu, genre, oh, excusez-moi, madame. Je fais, non, c'est pas grave. Quand tu arrives là, tu es au buffet. Celle qui est au buffet en ayant participé sur le buffet là pour manger, elle se comporte différemment de celle qui est venue avec ses quinto. Parce qu'elle se cherche. Parce que les quinto n'ont pas attendre qu'on dise que allez vous servir. Oh Seigneur. Vous savez quoi? L'argent est bien. L'argent est bien. Seigneur.
Écoutez, je suis une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse. Quand j'étais dans ma petite chambre, je payais le loyer de 50 000 à ma fille. Ça fait moins d'un an et demi, s'il vous plaît. C'était en... Ça fait 2 ans déjà. Attendez, je compte, non, compte bien. Novembre 2020. Donc ça fait pas encore 2 ans. Novembre 2020. J'étais encore dans les petits loyers là, petit petit. J'avais une conviction. Je ne suis pas encore là-bas, mais demain je ne serai pas ici. Pour moi, je vois toujours le succès comme les escaliers. La seule chose, c'est qu'il faut que j'avance. I have to keep moving. Loyer de 50 000. Je sors le matin, m'habille bien, je pars, je bosse. Je faisais toujours les vidéos sur la page ici. J'ai eu des moments où j'ai fait des investissements qui j'ai perdu. Et quand j'ai perdu, je suis quitté des loyers de 180 000, 250 000. Je suis descendu à 50 000 le mois. Un petit endroit comme ça là. Mais quand je suis là-bas, qu'est-ce que je fais? Je me lève encore là, 4, 5 heures. Et il y en a qui me... Je sais que vous ne parlez jamais, mais il y en a qui me suivent depuis au moins 2 ans, 3 ans. Je peux parler comme ça que tu dors sur le canapé chez ta soeur. C'est ce que tu vois ici. Pas là. C'est ce que tu vois dans ton esprit. Tu déclares. Tu marches et tu parles. Que tu vas voir demain. L'autre jour, quand je vous ai reçu chez moi le premier... Les femmes qui arrivent, elles me disent que waouh, chaque jour qu'on vient, je dois y avoir un nouveau truc qui a augmenté. Là, qu'elle racontait aux autres, c'est que non. Quand on est arrivé ici là en février, janvier, février, l'endroit-ci était gâté. C'était gâté. Je leur dis. Tu peux te retrouver en 3 mois que tu as. Dans ta main, tu as touché 10 millions. Ça ne veut pas dire que tu as eu 10 millions en cash, mais tu as accompli les œuvres de 10 millions. Parce que quand tu faisais, tu disais tout que voilà où le chant est parti. Voilà là où le chant est parti. Quelqu'un vient me mettre tes escrocs. J'ai vu tous les qualités, hein? Les Decepticons employés, oh. Decepticons copains, oh. Decepticons ceci, oh. J'ai tout vu toutes les couleurs. Quand quelqu'un arrive, il n'a pas le bon cœur, je lui dis toujours, passe ton chemin. Merci la reine Crescence et la reine Épiphanie. Passe ton chemin. Ne te dérange pas. Je connais là où je pars. Ton pouvoir ne vient pas de quelqu'un. Ton argent ne vient pas de quelqu'un. Voilà. C'est ça, Kamini. Quand tu as dans le supermarché pour acheter ta propre chose toi-même, tu marches différemment, ma chérie. Tu marches différemment. You don't move the same.
Je vais lancer la vidéo aussi sur l'autre plateforme. Zara, j'allais beaucoup parler aujourd'hui comme ça. Ce n'est pas ta présence, ta situation actuelle. Ce que tu vois actuellement là, c'est du passé. C'est passé. Ce que tu vois là, c'est du passé. Le coup de girofle va aider. D'accord. J'ai appris les miels, ceci. J'ai pris beaucoup de choses. Je vais augmenter le coup de girofle aujourd'hui alors. Merci. Bonjour, le cheval blanc. Après que tu aies fini de parler et de prier, la visualisation est très importante. En passant, ceux qui font la méditation avec moi, on va reprendre la méditation ce samedi. Depuis 2 semaines, je n'arrivais pas à me connecter pour faire la méditation. Donc, on va reprendre ça ce vendredi, pardon. Vendredi qui vient, on a la méditation. Quand tu finis de prier, de parler, l'image que tu vois dans toi, les gens peuvent appeler ça arrogance. Ils peuvent faire ça comme ils veulent. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tout ce que tu sais, c'est que tu sais là où tu es en train de partir. Ça, ça va activer votre puissance à une dimension. Parce que quand j'ai commencé à monter, mes décepticons ont commencé à venir vers moi en faisant genre, et si on t'attaque encore? J'ai dit que vous savez quoi, j'ai à souffrir toute la souffrance de ma vie. Merci la reine Yembe. On m'a dit, il y a eu tous les blocages que vous pouviez me donner, vous m'avez tout donné. J'ai eu tous les blocages, vous pouvez me donner quoi? Depuis 15 ans de ma vie, vous me bloquez. Écoutez, si vous pouviez me tuer, je serais morte. Comme je ne suis pas morte, vous n'avez pas le pouvoir. C'est ça qui doit être dans ta tête, ça doit jouer dans ta tête. Parce que ta bataille va se passer ici. Tu vas faire ton travail spirituel. Quelqu'un va te contacter. Oui, ton dossier que j'avais lancé pour la Turquie, là. Oui, c'est bon, le réseau est ouvert à nouveau. Ah. Les pensées commencent. Et si ça fait comme les autres fois, ça ne marche pas. Et s'il vient parler comme ça, après il part. Et s'il vient pour te lancer comme ça, après il part. Bonjour TikTok. Tu rencontres un homme. Aujourd'hui là, tu te rencontres. L'alchimie entre vous est. C'est oh my gosh. Il est là au pays seulement pour quelques temps. Voilà, il a sa propre entreprise. Il vit au Canada. Voilà, il est célibataire. Et il te dit que voilà, il ne sait pas pourquoi, mais il sent que tu es la femme de sa vie. Tu sais déjà ce que tu dois faire, non? Tu rentres le soir et tu as accroché ta tente. Tu rentres le soir, tu te couches après avoir fait ta prière et ton bain. Quel que soit ce qui m'avait empêché de me marier dans le passé. Seigneur, j'ai fait mon salaka la semaine passée avec mon jeune. Tu m'as ouvert cette nouvelle porte. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez dans votre aura, vous êtes censé vous marier avec un homme qui est riche. On est là, la méditation c'est 15 000 francs le mois. Tu as compris, on est là. Dans ton aura, même si on vient, on te bloque, l'homme n'a pas. Tu refais encore ton travail spirituel. Tu ne vas pas faire un mois et encore un homme qui va venir dans ta vie. Venant, vous allez remarquer peut-être que parfois tu restes au Camerounais. En un an, tu as 5 benghistes qui veulent t'épouser. Dans ton aura, c'est le benghiste.
Tu n'es pas censé être au pays. Tu n'es pas censé être au pays. Bonjour, bonjour. Et ta prochaine manifestation va dépendre du travail que tu fais, du travail spirituel. Supposons qu'ils t'ont venu te séparer de l'autre. Ça fait 6 mois qu'il est parti. Et quand il te dit comme ça, tu fais le rapprochement, tu dis mais... C'est vrai. Quand tu fais le rapprochement maintenant, tu te rends compte que c'est en fait dans ton étoile, il y a ça. Ma chérie, je vous parle des bums tous les jours. Pas encore le kit de déblocage là. Il y a le petit kit de déblocage de 25 000. Le grand kit de déblocage, c'est 55 000. Cabré, je ne sais pas pourquoi tu veux venir en direct. Écris d'abord ce que tu veux. Vous croyez que vous êtes dans votre live où les jours venez entrer des potes comment? Dis-moi d'abord ce que tu veux dire. Pour me parler en inbox, mon numéro c'est le 00237 693 50 22 66. L'autre numéro c'est le 237 680 71 07 01. Je répète le premier numéro. 237 693 50 22 66. Le deuxième, 680 71 0701. On est là, je ne connais pas comment on épingle le numéro sur. Faut que j'apprenne encore à gérer TikTok si là vraiment. Excusez-moi. TikTok pour moi c'est. Je ne sais pas comment faire pour épingler. Bon, attendez, je mets un peu pour voir. Merci pour les cœurs. Je vois pas comment faire pour épingler le numéro sur TikTok. Vrai. TikTok, il est try now. I don't know. Just find it. Donc, regardez le tuto de TikTok là-bas. Eugénie, si tu, comme tu dis que tu demandes comment faire pour t'inscrire à la méditation, tu payes 15 000. On reprend la méditation ce vendredi. J'ai eu beaucoup de déceptiques. On m'a empêché beaucoup de faire la méditation depuis 2 semaines. Deuxièmement, voilà le numéro, non, tu comptes le numéro, tu payes, tu fais ton paiement de 15 000, on te met dans le groupe. Je crois qu'on va plutôt convertir la somme, tu vas payer une certaine somme. Parce que je ne veux pas qu'il y ait plusieurs dates de paiement. Tu as compris, non? Et puis, pour être ta mère spirituelle, commence d'abord par payer ta dîme chez moi, si c'est le cas. Parce que pour qu'il y ait une couverture spirituelle, il faut qu'on soit lié avec quelque chose. Parce que tu peux écouter mes enseignements, mais tu ne fais pas ce que je dis. Samedi, Nel dit merci déjà la reine mère pour le bain de sel et psaume 35. Je reçois déjà l'argent. Alors, il faut mettre, commenter, faire des trucs pour que les gens voient. Quand vous mettez, venez sur, viens en bas de mes vidéos, tu écris. Parce que quand je fais TikTok, comme TikTok c'est plein de. TikTok c'est un monde où il y a toute qualité. Les gens vont te suivre sur TikTok, ils vont croire que tu n'as que tu souffres, que tu es là pour les détourner. Donc quand tu viens avec un témoignage comme ça, là, tu mets. Merci. Ah, merci beaucoup, mon chéri, c'est gentil. Dibango, Dibanga. Dibango, Dibanga. Nibango, Nibango. Je chante des choses bizarres souvent. J'aime trop ma pierre là. Oh, regarde. This is nice. Oui.
Ok, tu peux aller à la dîme, d'accord. Mais toi aussi, il y a une formation spirituelle qu'on va commencer la semaine prochaine. Pour le bain de sel, vous allez partir sur ma page, regardez, pardon. Vous avez suivi. Il y a plein de vidéos en ligne pour ça. Tu as fait les dons avec l'argent que tu as reçu. Bon, le bain de sel, je vous explique rapidement. Mais pourquoi je bois alors que j'ai ma tasse ici? Elle me fait ça dans un verre. Pourquoi? J'ai ma tasse ici, ma tasse royale. Je vais mettre mon truc ici. Voilà. À votre santé. This is nice. Le bain de sel, tu peux commencer avec le sel de maison. Ok? Tu vois le sel que tu achètes à 100 francs au quartier là-même. Commence avec ça. Merci beaucoup, la reine Makeda. Tu prends trois pincées ou bien une cuillère à café. Ok? Ma chérie qui est en train de m'écouter, tu es en bas ici là, non? Tu es à la maison ici avec moi, non? Tu es en bas. J'ai ma fille ici à la maison, elle est en train d'écouter mon direct. Apporte-moi un petit bol. Je vais montrer aux gens comment faire le bain. Tu mets trois verres d'eau dedans. Tu as compris? D'accord. Et t'attends. Elle est en train d'écouter le direct. Elle est en bas. Elle va monter avec ça, je vais vous montrer. Je prends une cuillère. Le sel à cancer est bien. Je vais vous en parler tout à l'heure. Si j'oublie, vous me rappelez. Donc, tu prends je ne vais pas te répondre. Tu as compris, monsieur Polo. Une cuillère. Tu mets dans 3 litres d'eau. Tu prends ta Bible. Merci pour le partage, Kevin. Tu pars là où il y a le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Voilà, vous voyez, elle a entendu. Je parle par télépathie dans mes directs. Ouais, merci. Tu vois là-bas, il y a un sel jaune là-bas, merci. Il y a un sel jaune dans la. Nibango, Nibanga. Jolie mignonne, Nibango. Allez, je vais vous montrer. Et Tamo, tu as un problème. Et ton problème n'est pas avec moi. Merci, ma chérie. Tu as un problème, mais ton problème n'est pas avec moi. Donc, je vais te laisser partir ailleurs. Tu passes ton chemin, c'est calmement. Merci. Sandrine, je bénis ta dîme au nom de Jésus.
C'est pour ça que je vous demande souvent de partager mes vidéos parce que je sais que ça aide les gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que j'explique. Donc, on a le donne-moi tout. Ceux qui ne connaissent pas. Et vous croyez que c'est là pour blaguer. Vous blaguez avec vous. Je n'ai pas le temps. J'ai le pouce facile. Je bloque. Ça ne va pas, je te bloque. Je m'en fous de toi. Parce que TikTok, là, souvent, vous avez des gens qui font les fous. Faites que tu ne tiens pas. Ok, je vais baisser les caméras, vous allez voir ce que je fais sur ma table, ok? Voilà. Libango, Libango. Donne-moi tout, il y en a qui ont le bon, donne-moi tout, vous savez, parce qu'on fait souvent avec. Donne-moi tout, tu prends une goutte, tu mets sur la langue. Oui. Ça donne le pouvoir à ta langue. Bon, baissons les caméras. Voilà. Vous voyez, dites oui. Bon. Voilà le nom. Il n'est rien mis dans l'eau si haut. C'est l'eau pour se laver. Donc tu te lèves le matin, tu prends d'abord ton gel douche, tu te laves. Ok? Tu te laves, tu enlèves la crasse sur tes aisselles, sur ta zézette, sur Jennifer, tu vois, non, ou Jessica. Tu nettoies bien là. Ok? Comme ça là, non, faites ça là. Voilà. Après ça, tu as 3 litres d'eau. Pour illustration, je n'ai pas préféré par le 3 litres d'eau. Prends ça. Le sel jaune, c'est pour restaurer la puissance. Voilà. Le plus tu mets, le mieux ça vaut. Hein. Ok? Voilà ton sel. On tourne dans un sens, pas dans deux, pas dans 5 sens. En tournant, tu fais ta potion magique. Vous avez dit que vous apprenez à être sorcier, non? Harry Potter, j'ai écrit l'école de spiritualité, comment ça l'avait appelé ça Poudlard. Bon, le sel, je vends le sel, ok? Je vends le sel. Celui qui ne veut pas acheter mes produits parce qu'il ne veut pas me donner l'argent, il va chercher lui-même ailleurs, d'accord? Tu peux faire pour commencer avec ton sel qui est à la maison. Donc, ça c'est pour l'attirance. Purification, ça c'est le sel sang de Jésus, purification. Et... ah, c'est pour le déblocage, le sel orange. Donc, j'ai des représentantes en Europe. Il y a des gens en Europe qui vendent mes produits. Prenez, redevez le numéro d'abord. Vous écrivez sur ce numéro camerounais, on va vous dire. J'ai des scammers sur Facebook. Donc, Facebook, faites attention, j'ai beaucoup de scammers. TikTok, je donne le numéro. Mon numéro est partout sur TikTok. Oui, la dame d'Allemagne, oh là là. Lola Maestro, il y a quelqu'un sur TikTok qui demande ton numéro. Si tu peux écrire ça ici, écris ton numéro ici, le maestro là. C'est une de mes représentants. Faites vite, pardon. Je ne sais pas si elle a encore le direct ici. Écrivez à ce numéro WhatsApp, on va vous donner le contact. 00237 680 711 0701. Ok, 00237 680 711 0701. Ici c'est très jaune parce que ça c'est environ je dirais 800 ml d'eau. Donc si tu mets ça dans 3 litres d'eau, ce sera moins jaune. Mais le spirituel ne voit pas les choses comme vous.
Dans le spirituel, même si tu avais seulement mis une pincée dans cette eau, ça compte dans le spirituel. Ok? Ouais, la fille n'est plus dans le direct. J'ai les deux téléphones qui sont là, donc je ne peux pas me connecter dessus pour regarder. Bon, prenez le numéro du Cameroun. Prenez ce numéro, c'est le numéro international pour tout le monde. 00237 680 71 0701. 680 71 0701. Sur ma page TikTok, il y a le lien de WhatsApp. Le 00237 693 50 22 66. Donc, je vous conseille de préférence d'avoir votre petite bougie. Tu vois là, voilà la bougie. Ok? Attendez, je vais voir si je peux reculer un peu ça. Bon, merci d'avoir partagé mon direct. Voilà. Ok. Bon, mes apprentis sorciers, vous êtes là, non? Ok. Vous voyez, tu as ta potion magique ici qui va enlever les sorciers sur ton corps. Quand vous dormez la nuit, les gens viennent pour vous sucer l'énergie. Et puis, ils mettent des sensus spirituels sur vous. Ils mettent des choses sur vous pour vous bloquer. Ok? Donc, bienvenue à Poudlard. Poudlard. Vous connaissez Poudlard? Voilà. Je suis la reine des reines, la reine Jocelyne. Ok, super. On a pris donc une pincée de ce sel. On met. Quand vous avez plusieurs spectres de sel, c'est pour activer chaque sel a son pouvoir. Ok? Il active quelque chose dans toi. Ton attirance, attirer tes clients, attirer si tu n'es pas encore marié. Et fais-moi que ton gars t'aime toujours. Tu peux être marié, mais il y a les tisanes qui ne vont pas te pratiquer pour que ton gars ne te veuille plus. Il y en a même qui font, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est pour te purifier, enlever les mauvaises choses sur toi. Et après, quand tu te sèches, tu mets la crème sur toi. Et dans ta crème, tu mets du coup de girofle. Mets cette poudre de girofle dans ta crème. Ou parfois, tu peux mettre aussi un peu de café dans la crème. Ou de café en poudre, là, tu prends un peu, tu mets. Ok? Pour le corps, ça protège, ça fait une barrière. Donc, voilà les sels. Ça, là, c'est pour le déblocage. Le sel orange. Le sel jaune, c'est pour restaurer ton succès, ta prospérité. Voilà. Quand tu mélanges tous ces sels-là, parce qu'il ne faut pas que... On a créé un sel qui s'appelle le sel arc-en-ciel. Ceux qui sont déjà venus acheter, vous avez sûrement vu ça. Entendez-vous, oui. Je vais vous montrer comment ils mélangent tous les sels. Plus de sel, ça ne fait jamais de mal. Hein. On va environ une pincée de sel. Vous allez voir comment ça va changer. Vous avez vu. Voilà. Il a mis le jaune. Maintenant, jaune et rouge, comme tu as vu là. Si tu as un argent que tu demandes quelque part pour te remettre. Le sel, c'est plus pour le succès. Le sel jaune, succès, prospérité. Et réussite dans ce que tu fais. Le sel rose, ton attirance. Fais qu'on parle de toi, qu'on t'aime. Tu peux aussi faire le genre que chaque sel que tu mets, tu parles pour ce que tu veux. Ok? Quand il a mis des couleurs fortes, le rose ne va pas se voir. Donc. Tu peux aussi fabriquer le bon sel là pour tomber. Tu vois, bien, non? Si vous avez la baignoire à la maison, tu fais souvent ça comme ça. Vous allez remarquer que le sel se dépose au fond. Donc, tu as beaucoup d'enfants à la maison, tu fais ça. Tu peux me préparer ça dans un tout de peut-être même 20 litres. Mais là, bien sûr, tu vas mettre beaucoup de sel. Ce n'est pas facultatif, mais ça augmente la puissance. Ok? C'est qui dit qu'elle a besoin de mon aide là. Tu vas, voilà le numéro sur ma page, écris-moi. Bienvenue à Poudlard Academy. De Gibbs Diggle à Poudlard Academy.
Donne-moi tout. On a fabriqué le donne-moi tout avec au moins 50 herbes et produits. Il y a plein de choses dedans. Donc, les nouvelles dosettes du donne-moi tout, c'est pas ça ici. Ça, c'est le donne-moi tout de 15 000 au Cameroun. Le donne-moi tout de 10 000 aussi, qui est un peu plus petit. Au Gabon, les prix sont différents. En Côte d'Ivoire, c'est différent. Donc, tu vas mettre, ça dépend de la contenance. Dans le spirituel, si moi, si tu mets seulement une goutte de ça, tu mets sur toi, les mauvais esprits connaissent. Vous connaissez que vous là, vous dites que non, si ce n'est pas beaucoup, je peux. Donc, voilà, vous avez vu, non. Le donne-moi tout, ça donne vraiment tout là. Tu peux mettre une goutte sur ta langue. Bon, si tu peux, de préférence, tu mets, je vends aussi les donne-moi tout d'ailleurs. Un demi, je veux une femme soumise qui ne travaille pas, je me lave avec le sel. Il te faut le sel de déblocage et le sel attirance. Tu as compris? Mais pourquoi tu veux pas que ta femme travaille, monsieur? Ça me semble un peu narcissique, je suis désolée. Donc, de préférence, tu mets ta bougie. Quand on travaille avec la bougie, ça veut dire qu'on utilise la puissance de la lumière. Sorcière. Tu ne connais même pas bien insulter quelqu'un. Elle est qui sorcière? Ouais, c'est sorcière. Tu as compris? C'est la sorcière Jocelyne. Ok? Si c'est une injure, je crois que tu as raté, ma chérie. Tu dois trouver autre chose. Tu as trouvé autre chose, purée. Oh, quand quelqu'un t'insulte avec sa meilleure insulte, il n'a même pas bien écrit là, ce n'est pas bon. Il n'a pas fine. Donc, on est à Poudlard, Poudlard Academy. The Guild Digger Poudlard Academy. Merci. Ok. Donc, bienvenue mes chers sorciers et sorcières. Donc, voici notre baguette magique. Si vous avez la baguette magique, vous pouvez l'utiliser. Ok? Donc, voici les baguettes magiques. Ils sont en vente aussi. Donc, tu peux faire ta prière, tu parles, après tu prends ta baguette magique, tu fais, je déclare tout ceci et je déclare que c'est scellé au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Ok? Ok? Thank you very much. Ok. Déposons notre baguette magique, c'est pas le moment de la baguette magique. Marie, tu es où, Marie? Oh là là, Marie. Marie. J'avais Marie ici, elle est partie, je suis pas où. Marie. De préférence, faites votre travail avec Marie à côté. Je ne sais pas où Marie est partie. Hein. Bon, c'est pas grave. Si vous avez des pierres, ok. Là, c'est l'améthyste. Vous pouvez carrément mettre l'améthyste là. Dans votre bain, mais ça c'est trop gros et le bol est trop petit. Ok, donc mais pendant que tu fais ton travail, tu peux tracer ton cercle de sel autour de toi. Le sel protège beaucoup contre les mauvais yeux, les mauvais esprits. Gaël Jatou, tu es dans ton film avec qui? Il dit que maman, je me dis, pourquoi vous aimez me négliger comme ça? Ah, tu es dans ton film, mais tu crois qu'elle te néglige? Je ne te connais même pas, mamie. Vous connaissez sa mère? Donc, tu mets un cercle de sel autour de toi. Tu traces le sel autour de toi. Et en traçant, tu déclares que tu t'isoles de tout mauvais esprit. Que toute personne, tout mauvais yeux avec lesquels on veut te voir. Parce que vous avez tous des caméras. Il y en a qui parfois disent, oh, je rêve, je vois comme ça, on m'observe. Il y a des gens qui ont des caméras sur vous. Maintenant, tu traces. Tu mets ta lumière dans ton cercle. Je vais pousser encore plus loin. Tu prends le sel, tu mets ta croix au sol avec. Ok? Mes petits Harry Potter là. Tu as ta Bible, tu as ta pierre. Tu as mis tes selles déjà là-dedans. Tu as ta baguette magique.
Non, ne te dérange pas. Beaucoup de personnes qui me suivent ont déjà beaucoup prié et jeûné, ça n'a rien fait. Vous avez suivi. La partie où on prie arrive, ne vous en faites pas. La partie où on prie arrive. Éternel des armées, je me couvre du sang de Jésus. D'ailleurs, si tu as mis le seul sang de Jésus dedans, c'est super. Tu tournes. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir, Seigneur. Seigneur, voilà mon visage que je fais depuis 5 ans, ça ne marche pas. Seigneur, voilà mon mariage qu'on a gâté. Père, restaure-moi. Tu fais, tu tournes. Tu comprends? Tu tournes. Laissez les petits simpletons là. Je les appelle simpletons, c'est tout. Parce que même les sorciers qui font du mal, quand ils tombent sur ma vidéo, ils connaissent qu'il y a des choses que je montre ici qui sont vraies. Maintenant, ceux qui font du bien, quand ils viennent ici, ça les aide. C'est fou, hein? Les chrétiens sont très violents verbalement. Très. Très. Un chrétien va te voir, il va t'insulter. Et il va venir mettre la Bible devant. Attends un peu. Pourquoi? Why? In the name of Jesus? Heureusement qu'il n'y a que Jésus qui connaît ces gens. Il n'y a que Jésus. Only Jesus knows. Only Jesus. What no man can do. Only you are able. Oh, only you are capable. Hey, only you, Jesus. The Son of God. Hey, the Lord, the Lord. Ah, ah. Voilà, allez, continue. Moi, là, si j'ai toutes les choses comme ça. Ok, continuons. Continuons. Ok, ok. Avant de commencer à parler sur ton bain, que tu as déjà recensé ce qui ne va pas dans ta vie. Ok? Only you can do what no man can do. Only you are able. Only you are capable, daddy. L'Esprit me dit de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, dès qu'ils vont se rendre compte que vous avez commencé avec votre travail spirituel, ils vont venir vous attaquer parce qu'ils savent que ce sont eux qui vous ont attaché. Et maintenant que vous connaissez la vérité, ils savent que c'est seulement une question de temps avant que votre étoile est restaurée. Donc faites très attention. Faites très attention. Et en avant, mari vont voir, ils vont aller dire à ta belle-mère que oh, oh, voilà, elle commence à me faire des incantations à la maison. La belle-mère va aller resserrer ce qu'elle a fait. Donc faites attention. Ici, ce sont les sels. Sel orange, sel rouge, sel, sel, sel. Ici, c'est de l'eau dans laquelle j'ai mis les sels là. Et j'ai mis le donne-moi tout, qui est ma part de potion secrète. Ok? J'ai reçu une dame une fois, elle venait de la Hollande. Non. La Suisse? La Suisse? Non. Suisse? Luxembourg? Anyway, elle venait de quelque part. En fait, elle est quittée là, ses deux enfants à la maison. Elle est venue. Elle a fait 3 jours chez moi. Elle a fait son travail. Généralement, quand tu arrives, je ne te consulte pas le même jour. Tu dors d'abord dans la nuit, il y a des trucs qui sortent de ton corps, on te confine les choses. Elle me dit, on fait son premier lavage. Elle me dit un truc qui lui revient à l'esprit. Il dit quoi comme ça? Elle dit, elle se rappelle, un jour sa soeur, sa belle-soeur, est venue lui avouer un truc banal. À l'époque pour elle c'était banal, mais maintenant elle comprend. Elle dit que la mère de son mari avait donné l'œuf à cette soeur. Elle a dit,
parle contre Judith. Je prends un nom au hasard. Hein. La belle se prend l'œuf, elle parle, elle parle, elle parle. Après, la belle me dit, ok, donne-moi. Elle prend l'œuf, elle part avec. Elle dit qu'elle ne sait pas ce que sa mère est partie faire avec l'œuf là. Maintenant, elle me dit que depuis qu'elle te suit, cette belle-mère-là me combat beaucoup. Elle a monté mon mari contre moi. Que voilà, les bains que je fais là, c'est la sorcellerie. Et la belle-mère fait genre, non, tu sais, la belle-mère fait genre, elle n'est pas jamais chez Marbo, elle ne fait jamais. Juste en passant, j'éloigne tout œil maléfique de cette vidéo, toute personne qui est connectée ici là. Vous êtes en train de préparer vos commentaires négatifs là. Je perce vos yeux. Je perce vos yeux. Tout œil maléfique qui est connecté sur cette vidéo. Je perce vos yeux. Au nom de Jésus, j'envoie l'ange de l'Éternel qui vous chasse à l'improviste. Voilà. Que la balle vous atteigne. Toute balle que vous êtes en train de façonner contre les gens. Donc, qu'est-ce que la femme a lui dit? Que sa belle-mère a fait toujours la sainte ni touche. Jean, moi, je connais pas moi tout ça. Elle dit que ça ne se rappelait pas de ce que cette belle sœur lui avait dit. Ce qu'elle n'avait pas fait le rapprochement. Bon, faites attention. Ils vont venir vous dire que oh, certains vont vous voir dans mon direct, ici, là, ils sont avec vous sur le direct. Que tu suis aussi la fille là. Ah, pardon. Ce qu'elle raconte là. Ne vous inquiétez pas. Ils partent à l'est. Ils partent, souvent ils disparaissent, non, ils sont partis. Ouais. Certains, souvent ils partent au Bénin, ils font même 4 jours. Tu le cherches, tu ne le trouves pas. Il est parti au Bénin. Donc avant de faire ce bain, que tu as recensé ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que toi-même, tu as dit que je dois changer ça. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on a mis notre sel dans l'eau. On s'est déjà lavé avec le savon. On a mis notre bougie. On s'est encerclé de sel pour enlever tous les mauvais yeux des gens. On a demandé la lumière du Seigneur sur notre travail spirituel. Maintenant, tu dis. Psaume 35, verset 3. Seigneur, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Je demande que toute personne qui me persécute soit exposée. J'ai lavé un jeune homme l'autre jour comme ça. Il me dit, 3 jours plus tard, il a vu le visage des gens qui le persécutaient. Avant, il se retrouvait dans le rêve, il fuyait, il courait, après il se retrouvait les tapes, il fuit l'escalade et les portails. Il me dit que j'ai vu les visages, c'était clair. C'était clair. Il y a les gens qui viennent faire les consultations, mais votre énergie n'est pas encore prête pour que je vous parle. C'est pas tout le monde ici qui est prêt pour me parler, ou même me voir physiquement. Parfois, ils ne vont pas accepter. Je vous dis, moi, cache. Tu as reparti. Tu prends un kit, tu te laves avec, tu utilises, tu fais ton travail. Ça libère un peu. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Que toute personne qui a comploté contre moi, qu'ils reculent et qu'ils rugissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Tu n'as indexé personne au. Maintenant, si quelqu'un est venu, il y a une flèche dans ton corps qui appartient à quelqu'un, que c'est sorti de l'arc de quelqu'un. Il a pris son arc, il a tiré sur toi. La flèche là va sortir, ça va retourner sur la personne qui avait envoyé. On est là, tu es en Turquie, tu peux partir. J'ai mis une vidéo sur TikTok, je vous montre. Va offrir une boisson, achète une boisson, tu verses d'abord sur la terre. Tu remercies les dieux de la Turquie de t'avoir accueilli. Et tu leur demandes de te libérer maintenant pour que tu partes. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, on ne vous a pas dit. Tu as vu que comme ça, là, tu as bloqué les papiers depuis longtemps. Verset 6, psaume 35. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. J'envoie mes anges. Super, si tu fais le jeûne déjà, sticrelle. Tu tournes dans un sens, tu ne tournes pas dans deux sens. Tu lis tout le son 35. «
Verset 17, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches. Toute embûche qui m'a été tendue pour gâter mon mariage, pour empêcher mon visa. La fameuse qui a déposé le visa depuis 2 mois. On va aller à l'eau, on va faire une offrande à l'eau dans mercredi demain. Si ce n'est pas j'ai passé de personne, je vais faire ça samedi. Mets ton nom dans cette liste-là. Et quand il fait les offrandes, ceux qui veulent faire de façon collective, vous vous donnez 20 000 francs et un service pour vous. Ceux qui veulent faire de façon individuelle, c'est 45 000. Soit tu achètes un kit de déblocage pour ton visa. Un kit de déblocage. Beaucoup de travaux qu'on fait, on fait à distance. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Je crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Ceux qui rougissent de mon malheur, qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Tu finis de lire ça. Tu demandes maintenant ce que tu veux. Seigneur, voilà mon visa depuis. Seigneur, je suis bloqué dans le pays ici. Quand il partait du pays. Quand il quittait du pays, on m'a dit qu'il partait pour Dieu. Je devais faire 2 jours, je transitais. Esra Jom, Estrella. Oui, le Seigneur est avec moi. On ne les voyait pas derrière moi. Seigneur, voilà mon visa qui est bloqué. Que toute personne qui va prononcer le nom, tu dis ton nom, je ne sais pas, un nom quelconque là-bas. Africa Breeding. Que tout ceux qui va prononcer le nom de Africa Breeding aujourd'hui, qu'ils me donnent la faveur. Je vous ai partagé un témoignage comme ça l'autre jour, non, sur ceux qui sont dans le groupe de prière. On jeûne demain. Hein. Donc, on jeûne demain. On a fait le groupe de prière. Il dit qu'il y a une dame. Elle en France. Chaque fois, on faisait que lui donner 3 mois. 3 mois de titre de séjour. 3 mois de titre de séjour. Et ça avait expiré, il fallait qu'elle parte encore renouveler. La veille, elle avait fait 3 lavages en un mois. Il me dit, maman, je sens qu'il y a encore un petit blocage. Pardon, maman, là, fais encore mon lavage. Elle m'appelle le matin. Je lui dis, envoie la photo, je vais te faire ça en urgence. On la reçoit à 15h10, elle me dit, maman, prie pour moi. Depuis presque 1 heure qu'ils sont là-bas derrière avec mon papy, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils ont pris son parti calé avec lui. Le numéro, c'est le 00237-693-50-22-66. 693-50-22-66. Le deuxième numéro, c'est le 680-71-0701. 680-71-0701. Si vous êtes au Gabon, notre numéro au Gabon, c'est le 0741-80-080. Pour le groupe de prière, vous contactez le numéro WhatsApp, on va vous mettre dans le groupe. Voilà. Elle revient, elle me fait le témoignage. Pendant qu'elle a lavé, on est en train de décider de son de ses papiers. Elle dit que maman, la dame revient me dire que celle qui a décidé de ma situation, c'est une femme qui était de passage à la préfecture. Elle ne travaille même pas ici. Qu'on ne devait même pas te donner, hein, madame, vraiment, vous avez beaucoup de chance. Celle qui a décidé du dossier, c'était même pas elle qui travaille ici. Il dit que les anges ont déplacé celle-là pour qu'elle vienne pour te donner le séjour-là. 237-693-50-22-66. Donc, 693-50-22-66. Deuxième numéro, plus 237-680-71-07-01.
Gabon, 0741 80 080 0741 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
Merci pour les likes et les partages, c'est très gentil. Écris sur le numéro camerounais, on va te donner le numéro de Côte d'Ivoire. Ouais, pourquoi vous êtes têtu comme ça? Écrivez au camerounais, on va te donner le numéro de Côte d'Ivoire. Non, pourquoi vous n'aimez pas écouter quand on vous parle? Ouais, Seigneur. Jesus, why? Why? On va vous donner le numéro de Paris. J'ai une firme à Paris qui vend mes choses. Elle a fait venir son fils. Il avait 17 ans. Elle dit que depuis qu'il est venu, sa situation, tous les papiers, ça traînait. On a fait l'offrande à l'eau l'autre jour. Elle me contacte et me dit qu'on a déjà donné le papier. L'État français a une procédure là que quand on accepte ton enfant avec ça. Je suis au téléphone pour les gens du Gabon là. Ne m'appelez pas maintenant. Les Gabonais, c'est là. Hein. Ouais, Seigneur, pourquoi vous faites ça? C'est dans mon numéro, je suis en ligne, tu m'appelles. Il faut appeler après, je vais donner un secrétaire. Il dit qu'on a donné, après peut-être 4 jours. Hein. Oh Seigneur. Oh. Oui. Bonjour. Vous ne donnez pas mon numéro en ligne, non? Je suis là, Saint-Germain, au Saint-Germain. À Petro Gabon? Oui, Pétro Gabon, Pétro Gabon, je suis là. Ah, en face de la poubelle, traversez la route, vous prenez la route qui est en face de la poubelle là. La route qui est en face de la poubelle, tout droit. Oui, de l'autre côté de la route. Oui, ah, le truc de bonnet rouge là. Oui. Ok. C'est avant le pont, hein. C'est la route qui est avant le pont. Je viens sur la route qui est en face du bonnet rouge là. Vous prenez tout droit là. Oui, c'est le deuxième duplex jaune avec le portail marron. Ok, je vais. Pardon, va la chercher en route, ma chérie. Va la chercher. Va vous le portail pour elle. Je vois qu'elle est venue prendre le kit fondation. Il y en a, vous êtes séparés de vos enfants depuis des années. Ils ont un blocage. C'est pas normal, ils ont un blocage. Vous me suivez, non? Oui, la dame de Paris, elle est super géniale, vraiment. Moi, je travaille qu'avec les bonnes personnes. Et si quelqu'un devient décepticon, il va trouver sa voie, lui-même, il va partir. Il go, go. J'ai eu les représentantes décepticon. Après, il me manque de respect, je dis que mes mamies, on discute le même gars ou quoi. Je dis que c'est la concurrence avec moi. Une autre, elle envoie mes clients chez une autre personne. Mes clients la contactent. Elle dit que je suis trop chère, elle les envoie chez une autre personne. La personne part chez là-bas. Elle me voit encore dans le rêve. Elle revient encore vers moi. Elle dit, mais tu as suivi ce qu'on t'a dit, tu es parti ailleurs. Non, tu viens me voir encore pourquoi? Et que c'est moi qui vous soigne. Ce n'est pas moi, je suis juste messagère. Ce qui m'énerve, c'est quand ils vous indiquent l'endroit de mes magasins. Hein. Les Africains n'aiment pas écouter l'indication. Elle dit, ok, je marche, dès que je vois le poteau, je m'arrête, ok? Non, tu dis que non, après le poteau, tu tournes à gauche, tu vas voir, c'est la troisième maison. Non, 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 j'arrive au poteau, je t'appelle. Tu vas arriver au poteau, on va m'appeler pourquoi? Je t'ai oublié par rapport à quoi, ma chérie? Tu as demandé quoi? Donc, tu fais ton bain, tu finis, tu prends l'eau si tu verses sur toi. En versant, tu parles. Tu parles. Tu parles.
Tu parles. Tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu enlèves sur toi. Et même si tu n'es pas quelqu'un qui crie beaucoup, tu ne connais pas trop, tu dis ça. Tu finis maintenant, tu laisses ton ça sèche sur toi. Les bracelets coûtent. Pour l'instant, c'est 7000 francs. Au Cameroun. 8000 francs au Gabon. Bientôt, je vais augmenter les prix parce que. Quand il met mon énergie sur mes choses, je vends. Moi. Je vais augmenter le prix. Voici les bracelets. Je vous parlais hier des coquillages. Hein. Vous voyez les coquillages et les coquilles chez vous. Moi, les bracelets. On a discuté sur WhatsApp. Écris-moi un nouveau sur WhatsApp alors ma chère. Le numéro de Yaoundé, c'est le 655-31-0750. On a fait ton lavage, non? Je te vois encore quand tu es venu là-bas. Je t'ai oublié comment. Vous savez, parfois, il parle avec 50 personnes en même temps. Je vois ton message qui est en train d'arriver là. On a fait ton lavage, je t'ai consulté. Il y avait encore quoi? Et je vois que j'ai donné même les montants des choses. Tu as dit que tu devais demander à quelqu'un de faire un transfert. Sula dit que les bains, c'est la magie. Tu es au Cameroun. Okay. J'ai quelqu'un au Cameroun qui peut vous consulter. Je ne sais pas pourquoi. Salomé, appelez la représentante de Yaoundé. Les bains de sel, calculer les heures clés. Dans le spirituel, les heures sont importantes. Les heures sont importantes. Le lavage collectif. On a fait le lavage la semaine passée. Dans le prochain lavage, normalement, sera jeudi. À Douala, on est à Makepe, derrière Paja Center. Après, le sel qui est au sol, tu le nettoies, non, tu verses l'eau, ça va couler, ça part. Celle qui a eu l'eau de mer qui l'inondait là, tu dois être une femme de l'eau. Femme de l'eau, ça veut dire que peut-être ta puissance se trouve dans l'eau. Et c'est que les gens n'aiment pas quand on dit qu'ils sont de l'eau, ils ont peur. Si tu es de l'eau, tu ne peux pas me dire que tu es de l'eau. Tu es de l'eau. N'ayez pas peur de vos origines. À Yaoundé, on consulte aussi. Oui. Et je consulte aussi à distance. C'est des Yaoundé pour consulter à distance. J'ai ma jumelle qui consulte à Yaoundé. Un jour, je vais vous montrer. Elle va faire le direct ici. Là, vous allez la voir. Quand c'est qu'on est de l'eau, ce n'est pas seulement une impression. Quand tu, pour savoir où tu es de l'eau, quand tu arrives généralement à côté des grandes eaux, tu es très attiré. Tu es comme tu es hypnotisé par l'eau. Certaines aussi dans l'enfance, vous avez de grandes phobies de l'eau.
Je parlais d'offrande collective, pas de lavage collectif. Je fais les offrandes collectives à l'eau. Je fais le lavage collectif. On lave toujours, peu importe. Même quand je faisais des promotions, on a toujours une personne dans son assiette. C'est les offrandes collectives qu'on fait dedans, c'est qu'on parle de tout le monde. Pour ceux qui sont en France, on consulte à distance. Je travaille avec les gens de France, tout l'Europe, là, je vous fais à distance. Et tout ce qu'on fait à distance aussi, ça marche. Et c'est que vous doutez beaucoup de ça. Donc, pour savoir que tu es de l'eau, je me rappelle la première fois que j'ai... C'était en 2016. Dans l'enfance, j'avais peur de l'eau. Moi, j'avais peur de l'eau. Quand on battait mon marigot là, moi, j'avais peur de mon marigot. Et c'est en 2016 que j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel. Je suis allée en France pour la première fois. En 2016, j'arrive, on avait pris un bateau, le bateau qui prend les touristes là, on fait le tour, après on revient. Maman. Ah, prix de la consultation, voilà, que je vous dise, ne soyez pas surpris. La consultation, consultation de lavage, 100 euros. Consultation en express, c'est 100 euros. L'offrande à l'eau en VIP c'est 45 000 francs. 45 000 en euros c'est 70 euros, quelque chose comme ça. Et les kits, il y a des kits qui commencent à 25 000. Le kit attirant c'est 30 000. Kit déblocage plus, c'est 55 000, prix du Cameroun. Donc vous avez tous les numéros là-bas, contactez ceux du Cameroun pour prendre les rendez-vous. Donc quand je suis approchée de l'eau, je sais pas, c'est comme si j'étais consciente de la puissance de l'eau. Il y avait une force là. Et en même temps, c'est comme si je pouvais manipuler la puissance de l'eau là. Ok. Et le temps, je passais beaucoup de temps avec les pierres. Je passais beaucoup de temps avec les pierres. Je faisais beaucoup d'acupuncture, beaucoup de méditation. C'est là que. Quand vous êtes dans un monde particulier et vous venez sur la terre, au départ, c'est bloqué pour vous. C'est bloqué à votre tête. Hein, parce que beaucoup d'entre vous, la nuit, vous sortez, vous allez opérer là-bas. Hein. Vous allez opérer là-bas. Donc vous fonctionnez là-bas comme si de rien n'était. Je rappelle aussi que ce lavage, vous pouvez faire de l'eau comme ça, vous priez dessus, non? Et vous utilisez ça pour laver vos pieds, vous plongez les pieds dedans pendant 30 minutes. Ça aussi, ça débloque. Soit vous lavez avec, soit vous mettez les pieds dedans. Ouais. Vous pouvez aussi laver vos mains avec votre visage. Ça dépend du rituel que vous voulez faire. Donc. Beaucoup d'entre vous, vous avez. Oui, madame. Allô. Allô. Oui. Ma reine, je suis en fait sur la ruelle que tu as dit, là, en face du magasin. Il y a une autre ruelle qui est encore là. Je vois deux barrières. Il y a un rouge, il y a un marron, c'est là. Tu n'aimes pas écouter quand on te parle. Et c'est à vous que je parle à mes directs chaque jour. Tu as Petro Gabon. Tu as la poubelle à côté de Petro Gabon. En face de cette poubelle, tu as une rue qui entre à côté du canal. Ah, okay. Tu prends cette rue, c'est le deuxième duplex jaune sur ta droite. Si tu ne te retrouves pas, tu vas m'attendre avant 20 minutes. D'accord. Voilà.
vous n'aimez pas entendre les indications. Vous indiquez les choses, vous faites toujours comme si. Soyez vaillante, soyez vaillante. C'est comment allez-vous? Qui est même venu ici là écrit sur mes commentaires, écrit son commentaire là? Xavier Biodiversité. Moi, je vous dis en avance, il y a les scammers sur ma page. Donc, ils sont dans les commentaires. Quand ils vont venir vous écrire là, faites attention. Vous les mettez, c'est comme ça que vous faites, on vient vous trompe, non? On t'indique un endroit, on te dit que écoute bien, tu es là-bas, non? Oui, fais comme ça, non? Oui. Tu n'écoutes pas le tout, tu rapproches. Tu ne vas pas arriver là, tu es parti. Même dans le spirituel, on vous donne les indications. Que prendre deux trucs, tu fais comme ça, là. Verse là-bas, fais comme ça. Non. Tu pars, tu devines ta part. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas qu'elle parle de l'eau. Hein. Je vais vous parler de l'eau depuis ça. Parce... Donc, on va voir dans la formation spirituelle. Ceux qui viennent dans la formation. Le truc, c'est que vous, ne, vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. C'est ça votre problème. La spiritualité. La spiritualité, c'est le genre que quand tu achètes peut-être les pop-corn ou tu achètes un produit, il y a la notice derrière. Prends trois pincées. Prends deux trucs. Prends, fais comme ça. Tourne. Après 10 minutes, enlève du feu. Verse dans les bols. Commencez aussi à croire. Vous suivez. Que je peux prendre un kit. Voici les kits ici. Je peux prendre un kit fondation. Ça là, c'est effectivement le kit. Non, là, c'est déblocage plus plus. Là, c'est le kit de déblocage plus plus. Hé hey Marie, je te cherchais. Marie. Bonjour Marie. Vous la voyez? S'il y a un scammer qui est en train de vous écrire, connaissez qu'il vient faire ça à mes clients. Donc, si vous écrivez, vous voulez, vous ne tentez pas les béninois, allez-y, ça ne me dérange pas. Crois aussi que tu peux prendre un kit. Tu utilises. Chez toi, hein, tu obtiens ta solution. C'est que vous aimez tout qu'on fasse pour vous. Guide-moi, montre-moi, aide-moi, parle-moi, nénez-moi, nénez-moi, moumou, moumou. Tu prends un kit. Voilà mon kit célébrité. C'est pour ouvrir mon aura, pour qu'on parle de moi partout. Tu prends ton kit. Tu travailles avec. Tu fais ton travail chaque matin. Voilà. Bon. Vous connaissez les bâtons de mantra. Achetez les bâtons à vos enfants. Vous avez déjà acheté la baguette magique d'Elsa. Vous n'avez pas acheté le bâton au commandement à vos enfants. Et j'ai rien qui va sortir dans son corps. Tu as acheté la Air Max.
90 euros à l'enfant. En 6 mois, ça ne suffit plus. À l'école, on entend le bloquer. Mettez tout ça dans votre porte-monnaie. Ok. Bonjour Aïssa. Bon, je vais vous laisser. J'ai donné tous les numéros sur la page déjà. Vous passez une superbe journée. Ah Benoît, à quoi servent les bracelets? Oh là là. Monsieur le roi Benoît. Ça, c'est pas pour tout le monde. Vous connaissez de quoi je vous parle. Ça veut dire qu'il y a un Xavier sur ma page qui est en train d'écrire à tout le monde. Oh Xavier. Bracelet, c'est pour la protection, la purification. L'ouverture des portes. Ok. Chacun a son rôle. Ça, c'est pour le courage. Et ça fait aussi qu'on ne te localise pas. Les gens ont les mauvais yeux sur toi là. C'est aussi un là que j'ai personnalisé. J'aime beaucoup ça, ça me plaît. Ok. Bon, vous avez vu un peu, non? Bon, bonne journée, on va se parler demain. Demain matin, je te le dirai encore. Faut que j'aille aussi manger, non? Je dois faire les consultations cet après-midi.